Allez, a priori, c'est bon pour moi. Bonsoir, s'il y a des gens ici, manifestez-vous. En tout cas, tout a l'air d'être ok. Pour moi, niveau image et son, alors vous me ferez vos retours, bien évidemment, si on a des spectateurs. Bonsoir, bonsoir, les amis. Deux visionnages en cours. Bon, ça va se mettre en place de toute façon. Alors, on est sur The Hunter, donc le jeu de chasse, Call of the Wild. Alors, c'est un jeu que j'affectionne un petit peu. Alors, j'y ai très 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 peu joué. Il faut savoir, hein, j'ai une petite... je crois que c'est 12 heures. J'ai regardé sur Steam. J'ai 12 heures de jeu dessus. Donc, autant dire que c'est un jeu que je ne connais quasiment pas. Alors, je sais vaguement quand même ce qu'il faut faire et ce qui ressemble. Puisque voilà, j'ai une dizaine d'heures dessus. Donc du coup, je sais quand même vaguement à quoi m'attendre. Mais en tout cas, autant dire que je ne connais pas le jeu. Et surtout, ça fait très longtemps que j'y ai joué. Donc du coup, c'est pour ça que je vous le propose en live. C'est histoire qu'on puisse un petit peu voir ce qu'il propose. Parce que je sais qu'il est bien. Et surtout, voir aussi si par la suite, ça pourrait vous plaire d'en faire une éventuelle série. Ou juste de la vidéo détente. Ce sera pareil à vous de me le dire. Comme j'ai pu faire notamment hier sur le live de Spintyr. Alors justement, le live Spintyr, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, quand il y aura peut-être des fois un peu plus de monde, je sais pas. C'est pareil, j'ai modifié au niveau de l'heure, hein. Vous pouvez voir que là, on est beaucoup plus tard que les lives que j'ai fait précédemment, puisque je les avais fait en fin d'après-midi pour les deux premiers. Celui-là, je le fais en soirée, histoire de voir s'il y a des fois plus de spectateurs qui seraient disponibles le soir plutôt qu'en après-midi. Donc, ce sont des tests, hein. Pour le moment, je suis juste sur des tests. Et donc, voilou. Mais je vais en discuter parce que je voudrais quand même dire quelque chose et signaler quelque chose qui m'a beaucoup fait rire aujourd'hui. Et enfin bref, mais je vous dirai ça tout à l'heure si toutefois il y a plus de monde. Alors pour celui ou celle qui est là, n'hésite pas à me dire si tu as un retour correct, si tu m'entends bien, si le son du jeu est présent, si tu vois bien le jeu. Alors certes ça ne bouge pas à l'écran, c'est normal parce que j'attends en fait. J'attends qu'il y ait une manifestation peut-être de ta part. C'est juste ça que j'aimerais savoir en fait, et après je pourrais me lancer comme ça. Parce que pour le moment, c'est assez compliqué. Je sais pas si finalement tu as ce qu'il faut. Donc si tu peux me le dire, ce serait cool. Dans le chat, hein, juste me dire peut-être un coucou, bonjour. Je suppose que t'as un clavier, théoriquement. Et puis si c'est regardable, surtout. Parce que sinon, ça sert à rien qu'on commence à jouer. En tout cas, ce que je pourrais vous montrer en attendant. Donc, on a plusieurs onglets continuer, choisir la réserve. Alors, choisir réserve, justement, on peut y aller. Alors, pourquoi ça ne veut pas y aller, d'ailleurs? Nouvelle partie... On va mettre boutique DLC, ok. Le jeu ne veut rien savoir, alors je vais le remettre. Ça y est, c'est parti. Je sais pas pourquoi ça avait merdouillé. Bon, peu importe. Donc oui, choisir réserve. Il y a plusieurs cartes, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre sur ce jeu. J'ai pas de DLC en soi. Alors j'en ai, mais c'est pas en tout cas des réserves. Mais il y en a de très belles, hein, d'après ce que j'ai pu voir. Donc ça, je crois que celle-là, c'est celle qu'on a. Bah, apparemment, j'aurais celle-là. J'ai celle-là, puisqu'on peut les choisir, voilà, et à partir de là, c'est des DLC que je n'ai pas, alors je peux en acheter, hein, bien sûr, pas forcément aujourd'hui, mais par la suite, si vous voulez voir un petit peu plus de ce jeu, hein, puisque là, aujourd'hui, on est sur un live de découverte, hein, encore une fois, et du coup, on peut aller voir d'autres DLC, d'autres cartes, par la suite, hein. Ils coûtent pas extrêmement cher, je trouve, ils sont assez raisonnables, on a justement ici la boutique DLC, alors moi, je les prends sur Steam, hein. Mais les prix sont relativement corrects, sachant que j'ai remarqué que sur Steam, il y avait régulièrement des offres. Hein, des offres avec des réductions, donc du coup, on peut les avoir assez rapidement pour pas trop cher. Puis je pense qu'à mon avis, on peut les obtenir sur des sites marchands, hein, tels que Instant Gaming, je les cite souvent. C'est pas pour leur faire plus de pub qu'à des autres, mais je sais qu'ils les proposent souvent avec des réductions, donc il y a moyen de les avoir sûrement pour beaucoup moins que ça. Hein. Donc c'est cool, donc si ça vous intéresse de voir peut-être certaines réserves, on pourra bien sûr, je pourrais bien sûr en acheter pour vous les présenter, il n'y a pas de problème.
En espérant bien sûr que le jeu ne pose pas de problème au niveau des droits d'auteur. Parce que ça c'est pareil. C'est un truc que je vais découvrir. Les lives vont aussi un petit peu servir à ça. Parce qu'on fait pas toujours ce qu'on veut malheureusement. Donc sinon voilà, pour te présenter, vous présenter un petit peu ce que j'ai. C'est principalement ce qui est gratuit hein, que j'ai. Hein. J'ai vu qu'il y avait pas mal de petits DLC gratuits. Donc j'ai les quads notamment, les petites tentes et les sacs. Alors après, voilà, ce sont des équipements, il y a des arcs, je crois qu'il y a des tenues aussi. Des trucs de loge de chasse. Mais bon, après je vous dis, hein, je débute sur le jeu. Je sais qu'il y a les chiens en DLC qui a l'air pas mal. Donc ma foi, pourquoi pas. Après on a des petits pistolets, des trucs. Sûrement des armes. Et puis après c'est principalement... Alors là oui, on peut les trier par ici. Réserve, équipement de chasse. Les loges de trophées, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, il y en aurait deux. Truc de chien de chasse et l'esthétique, voilà. On verra ça de toute façon en jeu. Sinon, dans les paramètres, alors juste pour peut-être pour faire un petit tour vite fait, qu'est-ce que je pourrais vous montrer au niveau de la jouabilité? Quand on regarde un petit peu, les didacticiels sont activés, bah pour moi ce sera mieux. Système de mission activé également. Le système de mesure est en métrique. Activer viser. Si cette option est désactivée, devra être maintenue pour viser. Oui, oh, je sais pas si c'est un bien ou pas, écoutez. Qu'on le maintienne pour viser. Oui, je crois que c'est ça, c'est à moi de maintenir. Oui, donc ce moment-là, ça m'intéresse comme ça, moi. La respiration, cette option est désactivée. Et là, on doit maintenir une touche. D'accord. La recharge manuelle, lorsque cette option est activée, vous devez recharger manuellement votre arme. Ouais, bah écoutez. Mise en chambre manuelle. Air après avoir tiré. Hein. Oh. Oh, je sais pas, on va laisser comme ça. De toute façon, moi, j'avais pas touché grand-chose en soi. Au niveau de l'interface, on a quoi? Boussole libre. Cacher l'ATH de chasse, c'est-à-dire. Ouais. Ça enlève peut-être, par contre, des... non-multijoueurs, ouais. Je regarde vite fait. Alors, niveau vidéo, on est comme ça. Donc, j'y joue en mode fenêtré, je suis obligé, moi. Mais ça fonctionne, de toute façon pour vous ça change rien. Qualité graphique, donc je suis en ultra. Et puis après au niveau son, alors dites-moi justement au niveau des sons, j'attends vos retours là-dessus surtout. A priori il n'y a plus personne donc. Mais ça me met spectateur simultané, alors je sais pas trop. Bon, ma foi, on va se lancer. Parce que sinon ça va être vraiment long. Alors bien sûr ça fera comme les autres lives hein, que j'ai pu faire. C'est-à-dire je refais la vidéo ensuite que je vous remets en mode vidéo. Donc c'est-à-dire je coupe les phases des fois qui sont un peu longues. Comme notamment le début où il y a beaucoup de choses qui servent un peu à rien. Puisque c'est principalement des réglages. Et puis après je vous refais une vidéo un peu plus propre. Avec vraiment ce qui est important je trouve. Allez, je sais pas si je repars sur quelque chose de nouveau ou si je continue, parce que le problème c'est que si je fais continuer, j'ai déjà ma partie en cours, mais que j'ai très peu avancé dessus, hein, je n'ai pas été très loin, je vous dis. Mais le problème c'est que je ne sais plus y jouer, parce que ça fait des mois et des mois que je n'y ai pas joué, donc je vous avoue que je ne connais plus les commandes, donc peut-être qu'une nouvelle partie serait plus intéressante pour se remettre un petit peu en mémoire les touches, sans aller très loin, hein, je ne vais pas trop me concentrer sur ce qui est scénaristique. Alors même si je crois qu'au début il y en a un peu, parce qu'on n'a pas trop le choix, mais essayez peut-être de laisser justement tout ce qui est mission, ici et ça, pour un éventuel futur let's play par la suite si ça vous intéresse. Donc ça faudra bien sûr me le dire, soit dans le chat aujourd'hui, soit dans les commentaires quand la vidéo sortira, donc en mode vidéo. Ça je vous laisserai libre de ça à ce moment-là. Mais bien sûr c'est un let's play qui, si vous en voulez un dessus, à ma façon une fois de plus, il ne débutera pas tout de suite, hein, sachez-le, il va falloir que, comme j'ai déjà expliqué, que je termine d'autres let's play. Ce que je fais là, c'est juste de la présentation de jeu, ce que j'ai un petit peu en réserve, de mon côté, que je suis susceptible de pouvoir vous faire, que j'ai envie éventuellement de vous faire, et que juste de voir après si ça vous intéresse. Ça fait un peu comme Spintyr, et j'ai bien sûr d'autres jeux, de toute façon, en attente, pas que sur Steam, il y aura même du jeu console par la suite, mais ça, il faut que je m'équipe, pour le moment, je suis en voie de le faire. C'est en cours, j'ai envie de dire, mais c'est pas pressant, je me presse pas dessus puisque j'ai encore du temps. Mais sachez qu'il y a des jeux qui vont arriver de toute façon en console, voilà. Mais il me faut du matériel nécessaire pour l'enregistrement parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec les consoles.
Bref. Bah écoutez, je vais partir sur une nouvelle partie, puis j'ai envie de dire, bah, ma foi, pour ceux qui reprendront l'aventure en cours de route, bah vous louperez le début, mais ma foi, tant pis, je peux pas attendre tout le monde à un moment. Si vous voulez qu'on joue, je pense que c'est le primordial. Donc on est parti, nouvelle partie, et puis on va voir un petit peu ce qui nous attend. Alors est-ce que ça va effacer la partie? Est-ce que c'est grave? Oui, oh, c'est pas très grave. De toute façon, j'avais très très peu avancé. Il me semble que j'avais découvert quelques spots là. Vous savez, les espèces de zones, j'avais dû tuer 2-3 bestioles et ici et ça. Puis c'est à peu près tout. Parce que j'avais refait une première partie il y a déjà quelques temps, je crois en 2021. Le jeu date de 2017, hein, donc il commence déjà un petit peu à dater sans que ça paraisse. Mais oui, j'avais joué une première fois. J'avais même joué en multi, une fois. Mais bon, c'était sympa en multi après. Allez, on commence une nouvelle partie, tant pis, je veux pas le regretter. Il nous faut donc un homme, oui, c'est très bien. Là, c'est pour l'habit, ouais. Alors, j'ai le truc de Rémi Warren. Option 1, option 2, ah oui, d'accord, c'est pour la couleur du visage. Bah écoutez, j'en sais rien, sinon je pars sur le Rémi Warren. Et donc, au niveau des réserves, ouais, après, il va nous proposer les DLC. Donc, de toute façon, on sera obligé de partir soit dans la réserve de chasse d'Hirschelfend, ce qui est en plein cœur de l'Europe. Sinon, on a le Leighton Lake District, la région des lacs. Je crois que de base, on attaque sur celui-là. Écoutez, je pense que je vais partir sur celui-ci pour commencer, c'est très bien. La région des lacs de Leighton propose aux chasseurs du monde entier de faire l'expérience de la nature la plus sauvage, une nature où l'homme n'a presque pas laissé de traces. Située dans le nord-ouest pacifique, la région est majoritairement couverte de forêts d'épicéas, de peupliers et de mélèzes, et possède quelques zones montagneuses et quelques marécages. Il vaudra mieux vous préparer si vous souhaitez chasser les élans, les ours noirs, les wapitis de Roosevelt, les cerfs de Virginie, les coyotes et les cerfs à queue noire qui y habitent. Il y a pas mal d'espèces apparemment, mais j'imagine qu'après les DLC nous en apportent davantage. Allez, on lance la partie puis on va voir ce qui va se passer. Je sais qu'il y a un petit peu de scénario et c'est ça qui est cool, alors je vais me taire pendant ces phases. Ah, you made it here in one piece. Welcome to the Untamed Wild. Name's Colton Locke, but everyone calls me Doc. I'm the warden up here, and I know just about every nook and cranny of this place. I heard this is your first time in the Pacific Northwest and Lake District. Well, this here's the best hunting reserve you'll find in 100 miles. I've been hunting here my whole life, and I still don't get tired of this place. Go ahead, look around. There's a lot to discover around here, not just the big game. Let's see what you can do. Try to find an animal track around here. Allez, bah c'est à nous. Apparemment, il fait pas très jour, hein. D'après ce que je vois. Alors, on a un téléphone sur notre gauche qui s'appelle donc l'assistant. C'est un appareil qui peut être utile pour afficher la carte des environs ainsi que votre mission en cours. Alors, comme j'ai dit, hein, les missions, on va peut-être juste pour les premières, en tout cas pour celle-ci. Je sais quand même vaguement comment le jeu se distingue, se fait. Bon, on va la faire parce que voilà, je pense que c'est nécessaire histoire de se remettre un petit peu les choses en mémoire. Mais après, on va moins suivre les missions, hein. On va plus partir un petit peu à l'aventure dans ce live. Alors, on a quoi? Colton, Doc Locke, donc c'est la personne qu'on a dû entendre parler. Mettez-vous en chasse et prélevez votre premier gibier. Alors, on peut mettre la lumière, oui, avec elle. Oui, bon, on va l'allumer, mais bon, faut pas non plus peut-être qu'on se fasse remarquer. On peut accepter la mission ou l'annuler. Y pour en savoir plus. Ah oui, d'accord, journal de mission. Donc là, on retrouve la même chose. Trouver des traces, l'objectif. Tuer un animal, prélever un animal. Donc on est sur la mission premier pas. Ok. Trouver des traces, tuer un animal. Alors je pense que je peux ranger mon téléphone. Voilà, avec cette touche-là, je m'en rappelle. Alors j'ai un fusil. On va garder notre lumière. Alors, comment que ça se passe ? Alors moi je sais que mon gros problème que j'ai dans ce jeu, c'est que je suis trop bruyant en général, enfin je fais trop de bruit.
Ah. Use your binoculars to get a closer look. Les jumelles utilisent eux en observant avec des jumelles pour repérer l'animal. Oui, alors il faut que je choisisse les jumelles par contre, parce que je crois que je ne les ai pas. Alors il me semble qu'il y a une roue. Oui, c'est ça, il y a une roue des armes. Tac. Et donc eux, pétez. Oui, c'est comme ça. Donc c'est un cerf de Virginie. On peut zoomer, bien sûr. Donc comment ça le marque ? Maintenant qu'il est marqué, ça va être beaucoup plus facile. Et j'imagine qu'il va falloir le tuer. Alors je sais pas trop avec quelle arme. Là on a quoi ? Ranger. Et ça c'est une... Caversham Stewart. Alors je suis pas du tout connaisseur en chasse, hein. Je vous le dis tout de suite. Vous allez certainement rigoler. Parce que je suis pas bon du tout. Alors où est parti mon cerf ? Ah, mais il est toujours là. On va essayer de le tirer en joue pour retenir la respiration. Ok. Ah oui, d'accord. Allez, je sais pas si je l'ai eu. Je pense que oui. Il saigne donc, t'as touché. Ah, ok, donc on l'a juste touché. Alors, faut que je le retrouve maintenant. On va mettre ça. Ah oui, d'accord, ok. Plus compliqué. Examinons les traces. Peuvent révéler des informations utiles sur l'animal qui les a laissées, comme son espèce, son attitude. Oui, d'accord. Donc, ma foi, les traces partent par là. Il fait pas très jour hein, dans mon histoire. Où sont les prochaines traces ? Alors, il y a un problème par contre parce que les traces sont là mais il n'y en a plus. Careful. The underbrush can be a bit noisy this time of year. L'agitation vous camoufle. If an animal hears you approaching, you better believe it'll turn tail and run. Et il est parti par où ? Bien gentil, mais... Oui, les traces partent par là-bas. Slightly bigger than the blacktail, but they're quicker to flee if they sense danger. Normalement, on devrait retrouver d'autres traces. Ailleurs. Et pas pendant que tu chasses ces animaux. Bah oui, mais là le problème c'est que je crois qu'on va l'avoir raté. Alors je vous ai dit, je suis extrêmement mauvais. J'ai beaucoup à apprendre. Alors pour s'accroupir, left contrôle. Donc c'est celui-ci. Enfin, le didacticiel va énormément vite, c'est affreux. Un petit peu ce que je reproche au jeu. Bon, je sais pas où est partie ma bestiole. Espace pour sauter, oui, ça ok. J'ai pas de chance, il fait nuit. Donc forcément, moi j'y vois rien. Bon, tant pis. On... Ah, il y a un bruit par là. C'est peut-être lui. Alors, il y avait des écrits par là. C'est pas normal, normalement, j'aurais pas dû perdre les traces comme ça. C'est des canards qu'on entend. On va tomber, ni un ni qu'un sanglier, vous allez voir. On me fait penser à Medieval Dynasty. Ah, il monte. Ah, c'est pas vrai. Un animal a détecté votre présence par la vue. Ah, oh, bah alors, il devait être tout proche. Et baissez-vous derrière la végétation. Bah oui, mais vous êtes gentil, j'aimerais bien au moins trouver une bestiole, moi. On va pas faire que de marcher.
Sinon, il va falloir qu'on fasse avancer un peu le temps, je sais pas trop. On va aller voir ce qui se passe par là. Bon, on a perdu notre cerf, ma foi. Je sais pas où il est. Bon, juste pour regarder un petit peu les autres armes. Que je voyais un petit peu la différence. Ah oui, d'accord. Je vous dis, moi, je suis une quiche avec ça. Les différenciers. Entre une carabine, un fusil, un truc, moi, je... Pour moi, c'est un fusil, maintenant. Après, je pense qu'il doit y avoir un espèce de codex, là, je crois. Je sais plus comment c'est foutu. Ça doit être là-dedans. Et on peut... On peut justement découvrir un petit peu puis apprendre. Codex, je pense qu'on peut trouver des choses là-dedans. Codex, voilà. Ils nous en parlent pas des équipements des fois. Peut-être dans l'inventaire. Ah voilà, armes. Ah bah voilà, on a les différences. Donc la Ranger de 43, là, c'est une carabine. Une carabine à verrou. Ah bah voilà. Et c'est très résistante et fonctionne même dans des conditions météorologiques extrêmes. Les cartouches 243 et leur faible recul permettent à ceux qui veulent chasser le grand gibier de faire leurs premières armes. Ah d'accord, donc pour les grands gibiers, il faudrait mieux ça. Et le fusil. Fusil calibre 12. Ah oui d'accord, c'est un 12 ça, ok. J'ai entendu parler de ça. Possède des canons superposés. Un choix de conception classique qui permet de tirer très rapidement une seconde fois en faisant une arme de choix pour les cibles rapides. D'accord. Et ça, bon, c'est un revolver, ouais. Le Focoso, ouais. Simple action. Ce revolver simple action utilise des munitions de calibre 357 Magnum. Ah oui, d'accord. Puissant et peu encombrant. Il est principalement utilisé comme arme de défense. Cependant, les chasseurs peuvent facilement y ajouter une lunette pour abattre le petit et moyen gibier avec une grande précision. Oui, donc ça peut être utile pour des petits lapins, par exemple, je pense. Bon, les jumelles, ça va, je sais ce que c'est. Ça, c'est la peau à chevreuil. Oui, d'accord, ça les attire, je crois. Ouais, je connaissais. La boîte à meux, là. Un appôt à cervidé. Génère un appel réaliste de biche en chaleur. Chaque fois qu'il est tourné, simple d'utilisation, il attirera sans difficulté les mâles et femelles proches. Ok. On a le apo à prédateur. Lièvre en difficulté. Ça attire les prédateurs de petite taille comme les coyotes et les renards. Roux. En imitant le cri d'un lièvre. D'accord. Et on a un spray de camouflage olfactif. Réduit légèrement votre odeur pour vous permettre d'approcher davantage de vos proies sans qu'elles ne vous détectent. Pendant 30 minutes. Ouais, hop. Bon, au moins, je sais que la Ranger, c'est la carabine, et que la Caver machin... Donc, en fait, j'ai tiré avec le fusil, moi. Si je... Oh, non, peut-être bien que non. Oh, je sais plus. C'est la Ranger. Non, j'ai tiré avec le... Oui, j'ai tiré avec la carabine, moi, le... Bon, c'est pour le grand gibier, donc à la rigueur, c'était peut-être pas si mal que ça, quand même. Bon, ma foi, c'est bien. Je vais reprendre, du coup... Si, je reprends celle-là. Et elle, elle a qu'un seul... Par contre, elle a une lunette, voilà. Ok, bon. Allez, on va essayer de trouver un autre animal. Je sais pas quelle heure il est. Parce que le soleil va bientôt se lever. Oh putain, il est minuit 12. Une catastrophe. La carte, c'est C. Ouais. Alors, on est où? Nous, on est là. Donc ça, c'est quoi? Là, c'est un marqueur. C'est où que c'est qu'on a commencé tout à l'heure? On se déplace comme ça. Qu'est-ce que c'est que ces marques? Là, il y a un truc à débloquer. Donc, on pourra y aller voir. On va essayer, tiens, de le faire dans cet épisode. Enfin, dans cet épisode. Dans ce live. Allez voir ce que ça propose. Je vous dis, c'est vraiment pour découvrir... Dans un premier temps, c'est très très grand les cartes. Hein. C'est immense. Là, on est dans la région des lacs. Et regardez un petit peu. Hein. Tout ça, c'est à débloquer. Et dites-vous que chaque map
apporte... Il y aura des compétences à avoir dans le jeu. Actuellement, on est niveau 1, forcément. Je devais être niveau 3, peut-être, dans l'autre partie, vous voyez, donc j'étais pas allé très loin. On a de l'argent, bien sûr. Ben, j'en ai pas, du coup. On a des talents. Enfin, on verra ça. Donc là, on va retourner à ce compte-là d'où qu'on... Voilà, d'où qu'on vient, parce que je me suis un peu égaré. Point d'observation. Allez, point d'observation on permettra de découvrir les sites. Oui, et je crois qu'on va pouvoir voir les animaux, les espèces et tout. Oui, c'est comme ça que ça marche. Allez, ça me revient un petit peu. Ah, il me faut le temps. Il est assez compliqué sans que ça paraisse ce jeu. Hein. Il faut... Ah, là, ça meugle. C'est cri d'accouplement. C'est encore un cerf de Virginie. Alors, on va essayer de voir ce qu'on peut faire, mais de nuit, ça va pas être simple. Hein. Alors... Même à la jumelle, je vois rien, c'est ça le problème. Dans la flotte, là, non? Ah non. À mon avis, il est beaucoup plus loin que ça, le... La bestiole. Bon, de toute façon, ça venait de par là. Mais sinon, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va essayer d'aller trouver une cabane ou un truc pour dormir, parce que... C'est bien joli, mais de nuit, on voit rien. Vous, en live, ça doit même pas bien ressortir. Enfin, quoi que si, j'ai le rendu. Ouais, c'est vraiment de nuit. Hein. Moi, en jeu, c'est un peu plus beau que vous, quand même. Mais... Bon, on va essayer d'aller à la cabane. Je voudrais faire avancer la nuit, parce que là... C'est pas possible. J'ai pas de chance. J'ai pas pensé qu'on allait commencer de nuit. Alors, je sais pas si c'est aléatoire ou... Bon, on pourrait essayer de s'acheter le quad aussi, si possible, je sais pas trop. Alors, je vois qu'il y a 3 visionnages en cours. N'hésitez pas à me dire si ça fonctionne. Puisque pour le moment, j'ai rien eu. Ah, j'ai retrouvé des pattes. Un cerf de Virginie au galop. Bah, ça doit être ce... Ah, bah voilà, c'est ça qui me manque. D'habitude, il y a une espèce de marqueur pour le sens. Bon, ça n'empêche pas que c'est quand même la nuit. Voilà, ça y est, on est dans le bon sens. Ah ben enfin! Il y a eu un problème tout à l'heure, c'était pas normal que j'ai pas de... Qu'est-ce qu'il vient foutre là, Richard? Oui, mais Richard, c'est pour le scénario, ça, on s'en fout. On n'est pas pour faire du scénario vraiment ce soir. Hein. Ça sera éventuellement pour un... Pour un let's play, si... Sorry. We got this full-blown survivalist fellow living out here. Ah, là, il y a du sang. Richard Hope. He got in a bit of trouble, it seems. Ouais, mais très faible. I can fill you in on the details later. Très faible, donc ça veut dire que... Mais tu te fous de ma gueule, tu peux pas monter là? Ça part par là. Encore du sang ici. Ah. Oui, mais ça, ce sont des autres traces d'animal. Faut bien sûr rester sur les mêmes. Si je prends celle-ci, ce sera plus les mêmes. On va rester sur cet animal-là. Non, on voit rien du tout. On a vraiment pas de chance. Est-ce que le temps passe vite? Oh, pas tant que ça, hein. J'ai l'impression que c'est temps réel, hein. Bon, moi je pense qu'on va aller débloquer un point là pour dormir parce que... C'est pas le tout, mais on voit rien. Alors, je vais rouvrir la carte. On va se dépêcher, on va essayer d'aller débloquer. Il me semble qu'on peut faire une sieste. Parce que là, c'est pas possible. Là, on voit rien du tout. On peut, après, de nuit, c'est possible, mais là, dans mon intérêt, en étant débutant, je pense que c'est trop compliqué à de nuit. Voilà, le point est mis, ça va me donner comme ça le sens. Ah bah, c'est devant nous, parfait. Ah bah, alors, je suis les mêmes traces. Qu'est-ce que c'est?
Des crottes, ça. Oui, des déjections. Toujours ce sang qui part par là. Ni truc de trop. Après, il part par là, ça m'arrange pas. Non, allez, je vais à mon point parce que c'est bien joli, mais... On n'y voit rien. Allez. Ah bah, il est pas doué, notre Gugus, hein. Pas monter la moindre butte. Oh, c'est pas vrai. Alors, je sais plus si on peut mourir dans ce jeu. Mais je crois que oui. Hein. Je crois qu'on peut se... On peut se faire tuer par des animaux, hein, il me semble. Hein. C'est par là. Ah oui, c'est vrai, il y a une histoire de souffle. Oh là là, oui. Oui, mais je m'en fous, là, c'est pour aller me coucher. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Alors, on va essayer d'aller débloquer le point, parce que là, il me semble que c'est un grand bâtiment en haut, là, une espèce d'antenne. C'est pareil, de nuit, il y a peut-être beaucoup moins de gibier que de jour. Hein. Et ils dorment, les animaux, à la nuit. Hein. Les petits lapins, normalement, les trucs, c'est assez facile à faire. Hein. Ouais, mec, on arrive pendant ce live au moins à se tuer un animal ou deux, ça serait quand même pas mal. Peut-être un cerf, justement, un... Un lapin. Ce serait au moins l'idée qu'on apprenne à jouer. Je vois le pylône, il est là-haut. Animaux en fuite. Oui, bah si vous voulez, moi je vais me coucher, hein, parce que l'eau. Tiens, il y a une bestiole là qui vient de partir juste devant nous. Je sais pas ce que c'est. Vous voyez, j'arrive même pas à voir ce que c'est, tellement qu'il fait sombre. Puis avec ma lampe torche, forcément, je les saberlute, les trucs. Ils ont peur de moi. Non, non, il faut absolument qu'on ait pas la torche, là, ça va pas. Comment voulez-vous commencer de nuit? Ah. Je sais pas si je vais réussir à monter, là. Si. Tac, 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 ma foi, ça monte. Allez! Là. On va aller sur ce pylône et puis on va faire une petite sieste. Parce que là, ça va pas. Ça y est, j'y suis. Ouh! Alors, faut qu'on monte tout là-haut? Oh mon dieu. Alors, j'espère qu'on peut dormir ici, hein, mais normalement, oui. Ah, je garde ma mitraillette là, on sait jamais. S'il y a des brigands. Non, normalement pas dans ce jeu. Le jeu est assez calme, normalement. Alors, je me souviens de quand même de quelques scénarios que j'avais pu faire. Il y en a des intéressants. Hein. Voilà, on va débloquer ça. Ça va mettre une belle petite cinématique. Balmont's not only where Hope set up camp, it's also famous for the railroad bridges along the old North Pacific line. Keep an eye out for them if you can in between blacktail hunting. Or why not use them as vantage points? I once bagged a white Alors, from the Runaki Bridge. Est-ce que, mon cher ami, on peut faire une sieste ici? Normalement, on peut rentrer dans la cabane là. Je suis obligé d'avoir quelque chose en main. Bon, je vais prendre mes jumelles, tiens. On peut rentrer. On peut dormir. Je vais éteindre ma lampe à l'arrière. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, Dream Lodge. Bon, c'est de la pub. Il y a un poêle. A priori, je peux pas dormir ici. Bon. Les jumelles, ça a été vu. Alors peut-être qu'il faut un autre bâtiment. Ça, aire de repos. Voilà, c'est ça qu'il va nous falloir. Bon, ben, il va falloir qu'on y aille. Hein. Parce que là, il est minuit 54, il y en a encore pour un sacré moment de la nuit. Hein. Alors je m'excuse, mais là, il faut vraiment qu'on fasse passer cette nuit, là, parce que...
C'est juste pas possible. Essayez de vous donner aussi quand même quelque chose visuellement un peu plus regardable aussi, parce que... Alors, c'est par où? 300 mètres. Allez, ça va aller assez vite. Regarde mes jumelles. Tiens, il y a des toilettes, là. Oui, bah si tu veux, écoute. Cri, cri, cri. Je ne m'occupe pas de toi, je m'occuperai de toi demain. À mon avis, c'est sans doute les mêmes trucs que j'avais débloqués moi dans ma partie perso. Je dirais qu'il y a au moins... Il peut y avoir bientôt un an que j'y ai joué. C'est fort probable. Si c'est pas plus. Ça passe tellement vite. Détection du bruit, il y en a eu, si vous voulez. Après, on se concentrera. Allez, 100 mètres. Graphiquement, il est très beau. Là, on se rend pas compte. Mais quand on va être de journée, là, vous allez voir, ça va être beaucoup plus joli que ça. La nuit, bon, forcément, on voit rien, donc. On bute dans les petits sapins. Ça y est, on arrive à l'aire de repos. Voilà, là, on devrait pouvoir dormir. Oui, on va pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je crois qu'il faut hisser un drapeau. C'est ça. Activer. Et comme ça, on va y avoir accès. Oui, on va même avoir accès à des choses avec le conteneur. Ça y est, je me souviens. Voilà. Alors ça, je sais plus ce que c'est. Bon, on dorme. On va de jour. On est quand même venu pour ça. Voilà. Et là, normalement, je peux dormir. Louer une chambre dans une aire de repos pour dormir. Oh putain, dis-moi pas que c'est payant. Se reposer. Ah, si, c'est bon. On peut. Ah, mais si, ça coûte. Cet abri peut être utilisé pour se reposer et se réveiller à une heure précise. En ajustant l'alarme du réveil. Ok. Le coût de repos augmente temporairement à chaque utilisation, mais se réinitialise après une certaine durée. Et mais moi j'ai pas d'argent. Si. Attendez voir. Regardez, zéro. Oh bah je vais pas pouvoir. Il va me dire, t'as pas de sous. Regardez bien. Si je veux dormir jusqu'à 6 heures. Bah il va me dire que c'est mort. Ouais, puis je peux pas revenir en arrière, d'accord. Ah si. Coût de 150. Tiens, regardez, je peux pas cliquer. Hein. Oh, bon sang, mais c'est nul, ça. C'est nul à chier. Mais comment je fais, moi? Faut que je joue de nuit, alors. Oh, c'est pas vrai. Tiens, bah, je vais vous laisser la porte ouverte, pour la peine. Non, mais, bande de cons. Ça, c'est le casier. Des aires de repos pour acheter des armes. Oui, bah, de toute façon, j'ai pas d'argent, donc je vois pas ce que je vais faire. J'aurais mieux fait de rester sur mon autre partie, finalement. Ça aurait peut-être été plus logique. Bon, ma foi, tant pis. Quoi, c'est une scie? Bon, bah, va falloir qu'on parte à l'aventure, hein. Mais pas le choix. Mais de nuit. Et encore pour un sacré moment. Quoiqu'une heure 10, ça va passer quand même, mais... Alors, je vous montre un petit peu ce qu'il y a de disponible là-dedans. Ça fait passer un petit peu de temps. Donc, des trucs à l'achat, bien entendu. Ça coûte quand même relativement cher. Des carabines, des armes de poing, des fusils, donc des arcs. Ah, les arcs, ils coûtent rien. D'accord. Ah, si, il y en a qui sont payants. Je sais pas, on essaiera au pire. Hein. Le live est fait pour. Donc toutes les munitions, c'est pareil, ça coûte bien évidemment. Ah, il y en a qui sont gratuites. Gratuit. C'est des balles à tête molle. Et ça me dit pas combien j'en ai. Balles à tête molle. Ah, si, c'est là la quantité, d'accord.
69. D'accord, ça les achète par 10. Oh, bah c'est bon, j'en ai assez. Ça, c'est tout payant. Par contre, les munitions de fusil sont payantes. D'accord. Et les flèches aussi. Donc l'arc, ça va être compliqué. Bah après, dès qu'on va avoir tué nos premiers animaux, on va avoir un peu de sous, hein, de ce que je me souviens. Démir, donc ça, oui, c'est les lunettes. Il y a des choses gratuites, hein, mais on verra ça plus en détail si on fait un let's play dessus, pourquoi pas. Des leurres, des produits de consommation. Ah oui, d'accord, trousse de secours. Des sacs à dos, qui sont payants, bien évidemment. Il y en a qui sont bloqués pour le moment. Les jumelles, bon bah j'ai ceux-là, moi. Structure portative. Donc les tentes, ouais. Donc ce qui nous permettrait de dormir un peu partout. Les affûts terrestres. Il y a plein de choses. Hein. Et je vous dis, hein, moi je suis loin d'avoir tout. Hein. Stockage. Ah oui, c'est si je mets des trucs dedans, ok. Ça c'est mon perso. Je suis habillé comme ça à l'heure actuelle? Ah bah d'accord. D'accord. Ah bah dis donc, un drôle de bougre. Oh, on va le garder comme ça. Là, c'est les véhicules, ouais, j'ai les quads, ça je m'en souviens. Ah mais il est gratuit le quad. Oh. Ah bon, on va en prendre un alors s'il est gratuit. Il y a vert, il y a noir et il y a rouge. Oh bah moi je vais le prendre en... On va le prendre en vert, il fait plus nature. Votre véhicule est arrivé. Et ben voilà. Et les chiens, mais ça j'en ai pas. Mes chiens, chenil achetable. Et il faut le DLC, oui, ok. Vous pouvez choisir les couleurs, voilà, bah, je peux faire plein de trucs, mâle ou femelle. Intéressant. Mais les chiens, oui, je le prendrai sans doute si... Parce que même moi, hein, je vais sûrement y jouer de toute façon tout seul. Alors normalement, on a un quad qui doit être arrivé, alors je sais pas où. Ah ben il est là, je le voyais pas. C'est bien le quad si on l'a de disponible. Ça va nous permettre de rouler un petit peu plus vite. Espace. Alors on accélère avec W. On tourne avec les bonnes touches. D'accord, il démarre tout seul. Par contre, ça fait du bruit un quad, donc il faudra qu'on fasse gaffe. Entrée, sortir, espace, frein à main. Même c'est la même touche. Espace, c'est bizarre. Ah, ça met le frein à main automatiquement, du coup. Changer de vue, on peut se mettre en vue. Oui, d'accord. Oh, je vais me mettre en vue première personne, c'est pas plus mal. Et puis on peut bien sûr tourner la tête. Alors, du coup... On va essayer de se trouver une petite zone sympa. Alors. Remarque, je pourrais peut-être changer certaines touches. Système. Clavier, souris, touche, voilà. Parce que du coup, ça va pas à mon histoire, là. Touche à pied. En véhicule, il n'y a pas ça. Voilà, véhicule. Accélérer, marche arrière. Donc ça, je suis bon. Touche espace. Sauter, se relever. On a envie de me manquer une... Ben non, je peux pas l'avoir. Bon, c'est pas grave. Laissons-y. Oui, j'avais dit que je voulais regarder la carte, voilà, pour... Qu'est-ce que c'est, ça? Non découvert. Donc je suis en train de pister cet animal à l'heure actuelle, le cerf de Virginie. Pour essayer de le tuer. Vous voyez, au niveau de la première mission, c'est trouver des traces, tuer un animal, prélever un animal. Donc, on va essayer de repartir dessus. Au moins, on va se déplacer beaucoup plus vite. Alors, je sais pas du tout, sinon on va reprendre un autre animal, on va pas se faire chier. Ah,
trouver du son là. Alors, c'est un lièvre. On pourrait essayer de pister ça, mais... J'ai peur que ce soit très bruyant, mon quad. Ça doit être la tour du début. Je vais regarder ce que c'est que ces traces-là. Alors, c'est quoi ça? Alors, je sais qu'après, hein, il faut rester sur les mêmes, hein, forcément. C'est un... Dinon? Dinon de Marianne. Ah non, un dindon! Un dinon, n'importe quoi. Originaire d'Amérique du Nord, la chasse aux dindons s'est propagée dans tout le continent. Ouais, ok. Bah, je sais pas du tout à ce que ça ressemble. Ça se tuerait avec ça, peut-être. Alors, au pire, on va prendre les jumelles pour le pister. Comme ça, au moins... On nous en dira peut-être un peu plus long sur cette bestiole. Allez, on va essayer de partir au dindon. Mon quad est affiché. Bon, bah ça va. On est toujours sur les empreintes de pas du dindon. Alors, il monte là-haut. Alors, on va essayer de pas faire de bruit à partir de maintenant. Et de le tuer au revolver. Je sais pas si c'est faisable. Sont très anciennes. Oh, ça voudrait dire qu'il est passé là il y a très longtemps. Alors. Bah oui, trace fraîche signifie que l'animal est proche. On va encore pas avoir de chance. J'ai vraiment pas de chance dans le truc pour le moment. Bon, c'est peut-être moi qui joue très mal après. Hein. C'est possible. Enfin, je fais comme je peux. Pour le coup, c'est vraiment un live de découverte. Alors, il est parti par où cette bestiole? Par là. C'est caillouteux ici, dis donc. Toujours ses empreintes de pas. J'essaie d'accélérer la cadence, des fois si on pourrait le rattraper. Ah, des déjections. Très ancienne, putain, ça veut dire que pouf, on est très très loin alors. Hein. Alors faut qu'on progresse. Alors on essaye de se faire un dindon. Je sais pas ce que ça va donner. Par où c'est qu'il est parti? Ah, problème. Il trace par là. Hein. Vous êtes bien d'accord. Donc on devrait les retrouver quelque part. Eh bien, oui, mais il y en a pas. Ici. Toujours pas. Bon sang. Bah c'est ça qui m'arrive souvent, moi, c'est que je perds justement les traces. Mais comment voulez-vous faire après? Ah! Elles sont là. Elles étaient pas affichées tout de suite, hein, je regrette. Hein. Examiner les traces, voilà. Donc là, c'est bon, je les ai retrouvées. Par où c'est qu'il est parti ce bestiau? Alors est-ce que c'est qu'elles se mettent pas à jour tout de suite? Moi j'en sais rien. Je suis obligé régulièrement de revenir en arrière comme je fais là. Pour ben, essayer de retrouver parce que ben, des fois ça n'apparaît pas.
Oui, c'est les dernières que j'ai. Examiner, donc elles partent par là. Je regrette, il n'y a aucune trace. Je vais avancer un petit peu. Ben, je sais pas. Il n'y a plus de dindons. Ah, ici. Ah ben, dis donc. Alors, il me semble qu'avec des compétences, après, elles peuvent se rapprocher. Enfin, moi, c'est plus... Ah, ben voilà, là, c'est clair. Pas. Galop. Ah, ça voudrait dire que, donc, là, peut-être il m'aurait entendu. Je sais pas, hein. Mais qu'on retrouve des déjections fraîches, quoi. Toujours très anciennes, hein, donc... On est sur quelque chose de vieux. Hein. Galop, ouais. On va faire passer la nuit. Hein. Galop. Après, il a peut-être tout simplement couru... Tout seul, hein, après tout. Bestiole, ça a le droit de courir. Alors, t'es parti où, mon cher dindon? Que c'est? Ah bah, c'est lui! Cri d'accouplement. On est théoriquement sur la bonne voie. Hein. Qu'est-ce que c'est, ça? Par là, bah oui. Les cris sont là derrière le caillou, hein, théoriquement. On se rapproche peut-être. Maintenant, faut-il encore... retrouver quelque chose ? Je vais retourner en arrière si je retrouve rien. Ah, puis il fait noir, c'est une horreur. Oh mon dieu. Oui, il est là le dindon. Alors je vais par là. On l'entend en plus, hein, il est prêt, hein, pour moi. Hein. Il serait par là. Ah, des traces. Des empreintes de pas. Comment voulez-vous que je voie un dindon ici, moi, dans la nuit comme ça? Il faut que je l'ai sous les yeux pour le voir. J'ai pas le choix. Je pourrais jamais le détecter de loin. Des empreintes de pas toujours. Les traces vont par là. Ah, c'est pas logique là. C'est pas logique du tout. Des traces de pas. Voilà, et moi ça, c'est le problème que j'ai. À chaque fois que j'y ai joué, c'est je suis obligé de chercher un animal pendant 107 ans, 107 ans, 107 ans comme ça. Je finis des fois par tomber dessus, mais c'est très long. Alors je sais pas si c'est que c'est le fait du début du jeu qui est comme ça, ou si... Et je vous avoue que je capitule en fait au bout d'un moment parce que c'est chiant en fait. Ce qu'on veut, c'est quand même essayer de tuer des bestioles à un moment donné. Et ils te disent, bah oui, mais t'es trop bruyant, patati patata, mais... Comment voulez-vous pas être bruyant si vous avancez à deux à l'heure, et à un moment donné, vous allez jamais le trouver. C'est dommage parce que le jeu a l'air super prenant et bien, mais moi, je n'arrive quasiment pas à tuer d'animaux. Donc je sais pas. Attends, j'ai encore perdu mon dindon. Hein.
je le trouve très compliqué, quoi. Bon, faut qu'on retrouve les traces. Alors, on en était... Ah oui, je sais même plus que c'est qu'étaient mes autres traces. Attendez voir, je crois que sur la carte, elles apparaissent. Oui, voilà, elles apparaissent. Donc les dernières que j'ai vues, c'est ça. Regarde un petit peu tout ce qu'on a parcouru comme chemin après un dindon de... Hein, pour au final ne jamais le rencontrer. Puis on l'a jamais vu une seule fois. Donc même si je repars à celle-là... Ben, le dindon, on le verra jamais. Et ça fait pareil pour les autres animaux, hein, que ce soit une dinde ou un boulet ou une biche, ce qu'on veut, c'est le même problème. Hein. Ah d'accord, il part par là. Bon, on va par là. Il va te dire qu'il part par là, non? Ah tiens. Ça, c'est les traces de tout à l'heure, non? Elles sont derrière moi. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ça veut dire qu'il est là? Il est peut-être dans un arbre? Il y a un problème. Ils te disent qu'il est là. Non, je capitule. Voilà, c'est exactement ce qui se passe à chaque fois. Dindon. Alors après peut-être je vais utiliser mes petits machins là. Ça va attirer les renards ça. Alors je pourrais mettre ça au pire. C'est vrai que ça nous aiderait peut-être. C'est pour les chevreuils. Je vais essayer de m'en foutre un coup de ça. Pendant 30 minutes, apparemment, ça marche. Ça nous évitera peut-être de sentir mauvais. Oh, s'il y a un lièvre. On a l'air malin avec notre pipeau, là. Tu es perché sur notre caillou. À 3h du matin. Ouais, c'est exactement ça. Oh vache. Bon, ça me fait rire, tiens. Non, j'aimerais vraiment comprendre certaines phases de ce jeu, parce que c'est aussi ça qui me fait qui me fait que je l'abandonne, parce que j'y arrive pas. Et je pensais justement des fois qu'en live, il y avait des gens qui viendraient, puis qui pourraient des fois me donner quelques astuces, c'est aussi l'intérêt. Donc, je suis un peu déçu là-dessus, je vais être franc avec vous. Bon, ma foi. Je vais essayer un autre objet. Ah. Je suis peut-être pas dans la bonne zone. Parce que je sais qu'il y a certains animaux qui sont dans des zones. Afficher section de réserve. Hein, que c'est? Ah oui, d'accord, ça montre sur la carte où on est, d'accord. Donc là, on est là, d'accord. Ok. Et Y, la légende. Alors... Zone de passage. Boire, manger. Ah oui, c'est ça qui débloque les trucs, ça y est. Ça, je m'en souviens. Je vais essayer le dernier truc, c'est la boîte à meux, là.
aucune réaction, les amis. Moi, je pense qu'on est seul au monde dans ce jeu. C'est l'effet que ça me fait. Et ça ne nous donne pas notre dindon. Notre dindon qui, normalement, doit être là. Alors, ma foi, je sais pas. Et ça, c'est les traces qui revont de l'autre côté, j'imagine. C'est ça, le mont par là. Donc, ma foi, je pense que ce dindon n'est plus. On va partir sur d'autres traces, hein, ma foi. Parce que là, il y a un moment donné, on va pas courir après une bestiole qui n'existe pas. Alors. J'aurais tout fait pour essayer de le trouver, ma foi. Vous aurez vu en vidéo, là, en live, que moi, je ne peux rien. Alors, on va essayer d'en chercher une autre. On va prendre de la hauteur. Mais bon, on va pas voir grand-chose, j'ai envie de dire. Je crois qu'il y a très longtemps, la première fois où j'y avais joué, j'avais... Le cerf, c'est sûr, j'ai réussi d'en tuer un une fois, ça je m'en souviens. J'ai même sûrement tué déjà plus d'un, sûrement peut-être au moins 2-3 peut-être, dans la totalité. Il me semble que j'ai tué une grosse bête une fois, mais je sais plus ce que c'était. C'était pas un ours ou un truc, hein. Non, c'était beaucoup plus, plus facile que ça. Je sais plus si c'était pas les bisons ou les machins pareils, il me semble. Mais il y en avait un, j'avais passé des heures et des heures, je me rappelle, à le pister, il saignait le truc et puis... Il voulait jamais se laisser tuer, enfin bref. Sans que j'avais réussi par finir par l'avoir, mais j'en avais galéré. Puis des petits lapins, des trucs comme ça, mais c'est tout. Donc je peux pas dire, j'ai quand même déjà eu quelques bestioles, mais... Mais c'est long, hein. Pouh, c'est hyper long. Il faudrait passer des heures et des heures. Regardez, là, je suis à plus d'une heure de live dessus. Et on a encore vu zéro animaux réellement, hein, finalement. Mais parce que peut-être j'y joue mal, hein, c'est peut-être tout simplement ça. Hein. Mais je voulais au moins avoir déjà le début des touches, c'est pour ça que je suis reparti sur une partie nouvelle. Parce que j'avoue que je ne me rappelais pas du tout de comment ça se jouait. Que là, au moins, voilà, j'ai déjà eu les bases. Là, il y a de l'eau, non ? Bien. On est dans une grande plaine. Il n'y a aucun animal qui réagit. Alors peut-être que là je devrais foutre un coup de pipeau. Essayer la boîte à meux. Avancer. On s'est fait arnaquer hein, sur notre action de chasse. Hein. On a dit qu'il y avait du gibier à mon cul. Hein. Il n'y a rien du tout, oui. Regardez-moi ça. Il n'y a rien du tout. Et quand même pas en dire qu'il n'y a pas une seule bestiole qui est tapie quelque part. Ça met une icône normalement quand il y a un cri. Ah! Enfin! Quelque chose! Ah! C'est un ours noir! C'est pas trop à cela que je m'attendais. Bon, pour rigoler, on peut y aller, mais avec quoi il faudrait peut-être le tuer? Avec quoi? Avec ça? Hein. Prendre la carabine, là, ça nous fait deux coups à tirer. Essayer de voir si on peut trouver cette bestiole, mais... Vous allez voir, on va tomber nez à nez avec ce machin. Et puis on va crever. Ma chance. Il est là! Oh oui, c'est lui, c'est sûr. Alors, on n'a pas trouvé un fichu dindon, et puis par contre... On trouve ça. Ah ben ça va, il est...
Je sais pas si je suis assez proche pour le tirer. Il va me charger si je le... Il se barre. Comment voulez-vous que je tire? Non, mais il vaut mieux la lunette, là. Hey, il est déjà beaucoup trop loin. Ah, mais je me trompe dans mes touches. Vous voyez, il est parti, hein. Ah, c'est pas vrai, on l'a raté. Essayez de le retrouver. Alors, les amis, si on tue un ours du début, alors là, je comprends plus rien, moi. Ah, il a bouffé. Il a mangé ça. Je sais pas ce que c'est, mais... Il a mangé une bestiole. Ça va être nous, notre... Son prochain repas. Je l'ai vu, hein. Il était devant nous. J'étais pas équipé, dommage. Enfin, on l'aurait juste touché, hein. Je pense qu'on était quand même trop loin. Il était au trot, effectivement, oui, c'est vrai. On l'a vu partir en courant. Il y a des roseaux, là. Il est caché là-dedans. J'avance pas dans l'eau. Là. J'ai perdu sa trace. Hein. Où c'est qu'il est? Ah, je vois rien. On serait de journée, ça aurait été déjà beaucoup plus simple. On aurait pu voir par où qu'il s'était parti, mais là, du coup, maintenant, c'est mort. Ah, oh, c'est encore fichu, on l'a perdu. Hein. Bon sang. Ah, ça m'agace. Bon, alors on va essayer de ressortir la boîte à meux. Puisqu'a priori la boîte à meux avait fonctionné. Peut-être ça va le faire revenir. Viens petit. Viens à manger. Rien du tout, oui. C'est pour les chevreuils, ça. Quelle heure il est dans tout ça? Il est 3h du matin. Ouf, allez, encore 3h et puis il fait jour. Le problème, c'est que je vais arrêter le live avant. Je pense pas qu'on puisse faire avancer le temps plus vite. Dans système. Jouabilité. Non, on peut pas accélérer le temps. Non. Ah, il y a peut-être des choses par contre là-dedans intéressantes. Particules et lueurs désactivées. Ah bah non, je lis deux. Oulolo. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de possibilité de faire ça. Enfin, moi, je pense pas. On y touche. Ma foi. Il n'y a pas. Bon. Ben, on va avancer par là. On va tirer sur tout ce qui bouge, maintenant. Comment ça fait? J'éteins la lumière. On y voit plus rien. Après, je les effraie moins, quoi. Quoi qu'on dirait quand même que... Ouais, faut qu'on mette la lumière, quand même.
Ah, il y a une cabane ou je sais pas quoi. Il y a des traces. Alors, qu'est-ce que c'est? Partir à la recherche de ça. Ouh, c'est des traces d'ours, hein, ça. Hein. Un ours au trot. Il est parti par là. Il y avait un point, là. Je vais y aller. Oh, putain de merde, il est là. Il serait dans le coin. Je vais aller débloquer ce qui est là. On va voir ce que c'est. 50 mètres. Et on dirait que le jour commence petit à petit à se lever. Je sais pas s'il n'y a pas des trucs à construire aussi. Ben à mon avis, c'est ça, là. Tiens, regardez donc. C'est ça. Alors ça, ça va encore coûter quelque chose, à mon avis. Construire, bah tiens. Donc on peut rien construire. Allez, ça c'est fait, c'est vu. On peut rien faire en début de jeu. Hein. Pouah, c'est le problème, ça. Là. Toujours cet ours, hein. Alors, on va y aller tranquillement. Je ne vois rien. Comment voulez-vous que je voie la bête? Je vais reprendre mes jumelles. Il a encore bouffé là, hein. Des zones de pâturage, ouais. Par là, effectivement. Son les écrits étaient par là, donc il était normalement forcément parti par là. Hein. Là, des traces bleues. Là, il y a une bête. Il est encore raté, bon sang. Qu'est-ce que c'est? Un wapiti. Après, ils ont peut-être peur de moi avec ma tenue aussi. Hein. Mais oui. Là, il y a une bête, là, il y a une bête. Il est couché. Alors là, lui, par contre... Là, pour, par contre, il est pour... Alors, on va essayer de faire pas de bruit. Il y en a deux. Hein. Attendez voir. Alors, on va me dire, c'est peut-être un peu facile. Là, il y a moyen de faire quelque chose. On est pile au bon endroit. Alors, maintenant, faut pas qu'on se trompe. Avec l'autre, j'aurai deux coups. Oh, purée, regardez-moi ça, il y en a partout. On peut en tuer deux pour le prix d'une. C'est où qu'il faut viser pour les tuer? Le cœur, c'est où? C'est là? Je prends celle qui est debout. Bim! Oh, je l'ai eu! Je sais pas s'il est tombé ou pas. Organe touché à l'instant. Bah oui! Je l'ai pas tué, hein. Alors, ils sont partis par là, hein. Donc là, on était dans une zone de repos, du coup. Mais par contre, c'est quel animal? On devrait retrouver du sang? Maintenant, il faut que je garde la trace de celui-là. Alors, c'est parti. Parti par là. Au galop, bah oui, forcément. Oh putain, je sais pas si je suis sur le même. Je vais prendre celle-là. Saignement très faible. Putain, je l'ai tiré dans le cou. Quand même. Voilà, on est bon. Le problème, c'est qu'ils ont dû aller super loin. Toujours parti au trot, bah oui.
Et le jour va bientôt se lever, tant mieux. Là. Par là. Par là. J'ai perdu. Là, ça crie. C'est eux, hein, cri d'accouplement. Je vais quand même pas attendre des heures comme ça. Moi, je trouve qu'ils bougent trop vite au final. On peine à les suivre. Faudrait que je recharge ma carabine. Je sais plus comment qu'on fait. C'est pas R. Si, c'est ça. On va remettre des balles parce que. On va se trouver niqué quand on va avoir besoin de tirer. Voilà, 5. Comme ça, au moins, on a ce qu'il faut. J'aurais peut-être dû tirer celui qui était couché. J'en sais rien. J'ai voulu prendre celui qui était debout. Mais j'avais peut-être pas la bonne, la bonne machine. Hein. J'aurais peut-être dû faire avec l'autre. C'est la double. Double canon. Je connais pas assez, moi, les. Ce qu'il faut pour tuer chaque animal. Ouf! Ça, c'est un renard, ça. Ah, c'est un coyote. C'est nos traces de wapiti. Ouais. Il serait parti par là. Bon, de toute façon, j'ai perdu la trace de celui que je suivais. Forcément. Les déjections sont très fraîches. Ça veut dire que théoriquement, ils sont pas loin. Mais non, je reprends pas l'autre parce que je vais le reperdre. Mais je vais jamais les trouver. C'est ça qui me pose problème, moi, à chaque fois. Parce que là, je suis en nuit et je suis obligé d'être très très près, comme tout à l'heure, pour pouvoir les voir. Que déjà de journée, on les verrait d'un peu plus loin. Donc on pourrait faire un peu mieux. Il faut que la bête soit là pour qu'on la voie. Pas pour qu'on arrive à pouvoir tenter de tirer, quoi. On va essayer d'aller jusqu'à ce qu'il fasse jour, quand même. On peut jouer encore un peu. Pas de problème. Mais je suis un peu déçu. Je sais pas si c'est un live que je vais remettre en vidéo, parce que... Ça se passe pas superbement comme j'espérais, puis il y a quand même très peu de monde. Donc je sais pas si j'en referai une vidéo. Pour le moment, je vais juste le laisser en mode live et je vais voir. Parce que c'est pas super intéressant à l'arrivée. J'aurais tué des animaux encore... Tu sais, j'ai encore perdu la trace là, putain. Ça aurait pu être intéressant à regarder, mais là, bon... Et surtout avoir fait un peu tout et n'importe quoi. Bon, alors. Ah, là, il y a du sang. C'est tout, sûrement celle de celui que j'ai machiné. Alors, des fois, on les retrouve crevés, mais... Faut qu'ils saignent beaucoup pour ça. Hein. Là, en saignement très faible... Oh, bon, on aurait retrouvé sa trace, du coup. Non, c'est bien, ça. Ma foi. Au bord de l'eau, peut-être. Justement, quand il y a des grandes plaines comme ça, on arrive des fois de les détecter, mais... Vous voyez, là, avec la nuit, on voit rien. C'est pas intéressant de nuit. Keep track of where the wind is blowing. Même dans les jumelles, animals on voit rien. Pick up your scent easily if they're downwind from you. Ils peuvent déjà être très loin.
Moi, personne. Là, il n'y avait pas une bête, là? Si, c'est bien ce qui me semblait, donc c'est eux. Ouais, c'est eux, hein. Ils sont beaucoup trop loin pour les tirer. Comment voulez-vous qu'on tire de là? Vous avez vu un petit peu l'allure qui se déplace? C'est tout le groupe qu'on avait. Voilà, puis maintenant je suis trop bas, puis je les vois plus. Si, ils sont là. Toujours tout le groupe. Ah, il s'est couché, lui. Alors, je vais essayer d'avancer. Il y a de l'eau, de toute façon, là. Toujours ici. Donc, eux, ils ont traversé là-bas. Je vais essayer avec ça, mais je suis beaucoup trop loin. Je les vois même pas. Ils seraient par là. Dorme toujours. Je vais faire automatiquement du bruit, je vais pas traverser à la nage quand même, attendez voir. Putain, je fasse le tour. Hein. Ce qu'il faut pas faire. Pour un bout de viande. Alors je sais bien que la chasse c'est quelque chose de long, hein, et qu'il faut être très patient. Pourtant j'estime être patient, hein, mais... Alors vous savez qu'ils ont traversé ces icônes. Ils ont dû faire le tour. Hein. Lourd, ça. Ah oui. Alors, d'ici que j'y arrive, ils vont être partis. Ou je ne sais quoi. Puis il n'y aura plus personne. Puis on va surtout perdre l'endroit. Alors j'aurais peut-être dû le marquer comme un con. C'est peut-être pas trop tard, remarque. Puisque là, a priori, ils font la sieste. Normalement, ils sont dans ce bosquet. Ah! Ça m'avait mis quelque chose. Là. Donc, il y a toujours la bestiole. Je vais mettre un point. Je sais pas si c'est possible. On va essayer de se rapprocher encore un peu. Ils ont bien trouvé un passage, bon sang. Ils ont fait tout le tour. D'accord. Faut qu'on surveille en fait régulièrement, voir si elle est toujours là. Comment ils ont fait pour traverser? Ils ont dû faire le tour, ouais. On va essayer de la voir. Est-ce que t'es parti ou pas? Ouais, je la vois déjà plus. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, ils ont fait le tour. Après, il va falloir qu'on soit beaucoup plus discret à partir de maintenant. Quand je vais arriver là sur le bord. Voilà. C'est eux, ça? Non.
Théoriquement, il y a une bête là-dedans. Sauf si elle est déjà partie. Alors. Qu'est-ce que c'est? Ah, des cols verts. Oui, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais on n'est pas à la recherche de ça. Ouais, les wapiti. Bon, ça, ça va. Alors, on va y aller en marchant. Ça s'accroupit. Comment je fais pour marcher? Comme ça? Non, ça me fait courir. Majuscule. Ah, j'ai trouvé une vite. Merde! Oh putain, il était là! Là! Non mais! Raté! Bon sang, bon sang! Il était devant moi! Ah si, je l'ai quand même. Je crois que j'ai dû le toper parce que là, je crois qu'il court pas vite. On va pouvoir le rattraper là. Il est où? Il est pas loin, il est pas loin, il est là. J'ai plus de balles, faut que je recharge. Il est par là, c'est sûr. Et je trouve une tache de sang, quelque chose. De toute façon, je l'ai forcément touché. Vu de la façon qu'il a sauté. Tiens, il y a du sang, ça va nous permettre de... C'est du saignement très faible, mais bon. Ça fait rien. Toujours ce sang. Ah, il galope, il galope. Il est forcément sur le bord. Et il va plus vite que moi. Il peut pas avoir traversé à la nage, c'est pas possible. Ah, ça me ralentit ça aussi. Et il est parti par là, et forcément. Ici. Non, c'est encore le dindon. Et ben le dindon que tu me fais ici, c'est tout à l'heure qu'il fallait te manifester. Je ne le vois plus. On va encore l'avoir perdu. Alors là, peut-être que là, tout de suite, il aurait fallu que j'utilise la machine avec la lunette, peut-être. De près comme ça, peut-être que je l'aurais eu plus efficacement, j'en sais rien. Ah, c'est mort. Hein. On tourne en rond et... En vivement qu'il fasse jour. Parce que là, je l'aurais vu courir quelque part, je suis sûr. Par là. Bon, ben, on va reprendre les jumelles. Je me demande s'il est pas devant moi. Je crois bien, je me demande s'il est pas là. Non, il est pas là. Je croyais que c'était là, mais non. Quelle heure est-il? 4h32. Allez, dans une heure déjà. Ça va être 5h30. S'il est parti dans les roseaux, là, comment voulez-vous qu'on fasse? Ah oui, c'est exactement ça en plus. Putain. Il peut pas traverser ici, c'est pas possible. Ça ne sait pas nager une bête comme ça. Comme ça, on a les pieds dans l'eau là. Ah bah quoi que c'est pas vraiment de l'eau. Hein. Ah si, ça sait peut-être nager, remarque. On voit pas devant nous. Là. Il est là. Très fraîche. Bah oui, bah forcément. Forcément, forcément. Je sais que je suis sur la bonne piste, hein, mais...
Mais ce qui me manque, c'est de la visibilité, hein, tout simplement. Et là, bah, on l'a encore raté, quoi. Ah, c'est décourageant. Franchement. C'est décourageant. Si j'ouvre la carte... Pff, on est en plein dans un anneau, là. Salut Bran, bah, ça fait plaisir que quelqu'un écrive quelque chose. Bienvenue à toi, et puis salut, je sais pas si c'est toi qui visionne depuis le début ou pas. N'hésite pas à me dire. Puis surtout si ça fonctionne, j'espère que ça va fonctionner, parce que du coup, on est à plus d'une heure et demie de live. Mais c'est gentil de passer si c'est le cas. Je suis sur The Hunter, mais j'ai des soucis, alors ma foi... C'est un live de découverte pour moi et d'apprentissage surtout un petit peu. Pas facile, c'est un jeu de patience. Ah bah ça oui, je te le fais pas dire. Ça, mais c'est dommage parce que c'est un jeu qui m'a l'air super intéressant, franchement. C'est peut-être juste après moi qui sait pas y jouer comme ça devrait être. Et justement, j'ai fait un peu le live aussi dans le but que des gens en fait puissent éventuellement me donner peut-être quelques astuces justement en regardant comment je fais. Et me dire peut-être qu'est-ce que je fais mal et justement ben pourquoi j'y arrive pas. Alors certes, je suis en début de jeu, hein, parce que je suis tout au début. Et du coup ça j'ai pas grand chose quoi. Je suis obligé de jouer avec ce que j'ai donc. Je me doute qu'après en progressant dans le jeu, on va forcément avoir des choses plus intéressantes, puis on apprend à jouer au jeu de toute façon. Mais ma foi, si toi tu connais des petites choses sur le jeu, n'hésite pas. C'est fait pour. D'accord, t'es là depuis le début, bah super. Non, c'est dommage que tu ne sois pas... Est-ce que du coup ça fonctionne ? C'est dommage que tu ne sois pas manifesté un peu plus tôt. Pour me dire si quand même tout fonctionne, est-ce que c'est bon ? Tu te sers du spray pour te camoufler ? Oui, j'en ai mis une fois, alors il est peut-être plus actif maintenant. J'en ai mis tout à l'heure. J'ai utilisé un petit peu là les boîtes à meux, compagnie. Bon, après j'ai plus rigolé avec ça qu'autre chose. Mais bon, là j'étais sur la piste d'un wapiti, ma foi bon. Je sais pas, t'as dû voir hein, si t'étais là. Et puis malheureusement, ben bon, après j'avais peut-être pas la bonne arme, je sais pas. Je dis après, moi je suis très 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 peu connaisseur en chasse, hein, même réellement. C'est pas quelque chose qui me passionne en soi. Maintenant dans le jeu, oui, c'est intéressant, je trouve. Justement, ça me permet de d'apprendre un petit peu des choses. Mais après, de là à dire, il faut aussi ça pour tuer quelque chose. Non, je connais pas assez. Donc oui, le spray, bah tiens, je vais m'en remettre même, comme ça ce sera fait, mais si ça me mettait une demi-heure d'utilisation, bah, peut-être après c'était passé, remarquez. Donc voilà, le spray c'est fait, puis après, bah, je sais jamais trop sur lesquels choisir. Alors j'ai été dans le codex tout à l'heure pour regarder un petit peu au niveau des armes. À quoi ça sert, et puis qu'est-ce que ça sert pour le mieux, tu vois là. La Ranger, c'est la carabine. Donc celle-ci. Et toi, je les confonds tout le temps, moi. Le Caversham. Alors, le cool Caversham que je regarde. Caversham, c'est celui-là. Donc, c'est celui qui n'a pas de lunettes. Donc, ça, c'est le 12, si j'ai bien compris. Alors, tu me dis quoi ? Pour l'instant, tu pourras pas chasser des grosses bêtes avec ton fusil. Économise et achète une arme plus puissante pour chasser des gros gibiers. Bah oui, mais le problème, c'est que j'ai pas d'argent pour commencer, là, donc... Regarde, je pense que j'ai zéro. Mais il faut bien qu'on chasse quelques animaux, d'après ce que je me rappelle, pour obtenir de l'argent, si c'est ce que je me souviens. Mais même la plus petite des bestioles, un lapin, tout ça, je pense que t'as dû voir... Après, j'ai pas de chance, il fait nuit. Alors, bah, toi, le jour va commencer peut-être de se lever, alors ça va peut-être être un peu plus intéressant. Même des petits machins, il y en a pas. J'ai eu un ours tout à l'heure. Enfin, en tout cas, j'ai vu un ours. Mais bon, un peu gros, quoi. Là,
tu vois, je suis toujours sur les traces de mon wapiti avec le sang, mais maintenant pour le retrouver... Alors il va faire jour, je vais voir un peu plus. A priori, il serait parti par là. Je vais reprendre mes jumelles, je trouve que c'est ce qui va le mieux pour... Pour essayer. Ah non, mais après, je suis tout à fait conscient de dire que je suis très très nul sur ce jeu. Ça, je... J'en suis tout à fait conscient. Mais justement, je voudrais apprendre un peu. Avec des peut-être des gens qui savent bien y jouer. Tu vois, devoir chasser des petits gibiers, bah oui, je me doute. Et revendre, ça prend du temps, mais tu pourras avoir des fusils plus importants. Oui, d'accord. Donc il faudrait donc pour toi qu'on se lance plus peut-être oui sur des lapins. Imagine des lièvres. Si on regarde peut-être là-dedans. Dans le codex. Donc moi j'irai dans la... On est dans le Leighton Lake District, région. Personnellement, je mets 3 heures de jeu pour repérer et tuer parfaitement un lion. Ah bah ça va alors, ça me rassure. Ça me rassure. Donc ça vient peut-être pas que de moi alors. Alors, région... Donc nous on serait dans la région des lacs Balmont. Ah oui, c'est des biographies, d'accord. Alors après j'ai pas hein, tous les autres parcs, les DLC, mais je peux en acheter, hein, je peux en acheter par la suite. Si mais il faudrait quand même que j'apprenne un peu à jouer quoi, parce que aller sur les autres cartes et puis pas forcément montrer de la chasse intéressante, c'est pas top quoi. Oui, chasse des petits gibiers. Au début, style lapin. Bah oui, ok. Bon, bah ça va. Je vais faire ça, alors. On va essayer ça. Alors, on va aller sur la carte. Et les lapins... Faut qu'on les trouve, alors. Faut qu'on les trouve. Est-ce qu'on peut se téléporter? Voyage rapide. Parce que là, je suis dans les lacs. À mon avis, c'est pas très intéressant. Putain, j'ai fait du chemin, en fait, hein, quand je dis rien. Est-ce que je peux me téléporter ici? Oui, c'est bon. Alors, je vais repartir de là-bas, je pense que c'est mieux, parce que là, dans l'eau, ça devenait chiant. J'étais parti à la recherche de mon wapiti, bah, en fait, tant pis pour lui. On va essayer de viser un lapin, alors. Allez, un lièvre. Maintenant, faut-il en trouver. Ah, regardez, ça y est, comment... Ah, bah, au moins, il fait jour, déjà, vous allez y voir plus clair sur le... Mais j'avais bien une voiture, moi. Comment que c'est qu'il est donc comment qu'on fait pour récupérer la voiture? Alors, attends, je vais ouvrir la carte. Ma voiture, enfin ma voiture, mon quad, il est là. Retirer un marqueur, placer un marqueur. Je peux pas le genre le rapatrier. Inventaire. Faut peut-être des compétences pour ça après, j'en sais rien. Des talents. Ah, peut-être que je peux le rapatrier en allant sur l'armoire. Je vais ici, que je vais dans garage, obtenir, oui, récupérer, votre véhicule est arrivé, ben voilà, je crois que là on l'aura, yeah. Tu as acheté le DLC avec le manoir, alors, c'est-à-dire, le DLC avec le manoir, ben, je vais te montrer ce que j'ai, je sais pas si je peux te le montrer là, ça serait dans quoi? Si je fais ça... Système, tac, 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 tac. Il faudrait que je retourne dans le menu principal, je pense, pour te le montrer. Ça, non, le DLC avec le manoir. Ça peut peut-être me parler, comme ça. Parce que j'en ai quelques-uns, oui, mais c'est surtout les trucs gratuits hein, que j'ai. On va essayer de partir en proie d'un lièvre. Et pour toi, le lièvre, il faut le tuer avec quoi? Avec le petit revolver, ça serait suffisant? Tiens, lièvre de Tunsen. Donc, à mon avis, c'est bon. Alors, on va partir à sa recherche. Alors, tu me dis, en gros, c'est un manoir et tu peux exposer les trophées. Oui, bah, je sais pas. Moi, j'ai cherché ça pour le moment. Mais bon, peut-être. Si, attends. Sinon, on va faire autre chose. Ça sauvegarde automatiquement, il me semble, ce jeu. On devrait reprendre là, normalement.
vais te montrer ce que j'ai, comme ça, ça va te dire. Alors. Ah, bah ça fait plaisir d'avoir quelqu'un pour, avec qui discuter, je me sens moins seul. C'est aussi le but des lives. Hein. Le revolver, tu fais des dégâts monstrueux. Ah bon, donc on fait pas avec alors. Pardon. Mais pourtant, il disait, je crois, dans le truc que le revolver était intéressant pour les petits gibiers, je crois. Il me semble. Hein. C'est là, boutique DLC. Ça devrait me dire lesquels j'ai. Donc, loge de chasse. Tiens. Voilà, j'ai ça, moi. J'ai Spring Creek Manoir. Possédé. Et j'ai pas celui-là. Pour le lièvre, une balle fine. Donc avec la... Je sais plus son nom, là. Celle qui a la lunette, à mon avis. Je pense. Parce que l'autre, c'est le 12. Et c'est des cartouches, là. Enfin, c'est des... Oui, c'est des... C'est du plomb. Enfin, je crois. Voilà, donc pour les DLC, oui, c'est ça. J'ai ça. Moi, j'utilise le revolver pour me défendre contre les lions. D'accord. Oui, bah les lions, moi, j'ai pas ça, je crois. Oui, donc j'ai ça en DLC. Tu as le bon DLC. D'accord, ok. Donc ça, non. Le truc des chiens, j'ai pas. Mais ça m'intéresse, mais bon, après, je sais pas si je serais capable de l'utiliser, j'en sais rien. Ça, j'ai ça. New England de Scooter. Celui-là, je crois qu'il est assez récent. Ça, non. Mais je peux acheter des choses. Hein. Moi, ça me gêne pas. Hein. Et j'ai ça. J'ai des packs, j'ai les tentes, j'ai les quads. J'ai ça. Duck and cover, enfin bref, je t'ai dit c'est principalement ce qui est gratuit. Puis au niveau des réserves, non, je crois que j'en ai pas. Peut-être que j'en ai une, je sais plus. Voilà, pour te montrer un petit peu ce que j'ai, quoi. Yes, surtout une balle bien placée au niveau du coup. D'accord. Bon, et ben on va essayer ça, voilà, je quitte ça. T'as dû voir ce que tu voulais voir, donc je vais faire continuer, ça devrait me ramener où j'étais. Alors, lièvre. Ah d'accord, ça me remet là. Bon, très bien. Alors, mon quad. Mon quad, je l'ai laissé là, je suis désolé tout à l'heure. Bon, je vais partir sans, de toute façon, au pire, je le laisse. C'est pas grave. Donc, un lapin. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il fait jour. Donc ça va être quand même, je pense, être un peu plus intéressant. On va voir les choses un peu mieux. Ok. Alors ça, c'est pas un lièvre. Encore ce fameux dindon. C'est facile à tuer peut-être un dindon au début, non? Je sais pas. La réserve de la savane, c'est super. D'accord. Je prends note. Mais les lions, ça doit être dangereux, j'imagine. J'imagine que tu peux te faire tuer peut-être à tout moment. Y a pas un bestiau là? Si, c'est un ours. Alors, on peut essayer de le tirer ou pas, tu penses, l'ours? Parce que là, je suis quand même relativement proche. Qu'est-ce que tu en penses? Avec celle-là, hein, pour moi. Attention, il me faut la lunette automatiquement. Essayer de reprendre ma respiration. Alors je crois que c'est avec cette touche là. Ah, je tremble trop là. Attends. Oui, essaye. Bah oui, oui. Donc en fait, quand je suis bloqué. Putain, c'est pas vrai, il est derrière un caillou, j'y crois pas. Ça y est, il est parti. Non, c'est Briscobre, attends. Maintenant ou jamais. Je bume. Alors là, il est parti en courant. Il est parti là-haut. On va partir sur sa trace. Mais je pense que c'est mort. Hein. Est-ce que je l'ai fait saigner? A priori, oui. Oh, aucun organe touché. Oh, alors, c'est mort. Hein.
Il saigne trop peu, je pense. Saignement très faible. Bon allez, on va se lancer sur un lapin, c'est pas la peine de... Essayer de partir sur un lapin. Mais vous voyez là au moins, je l'ai vu déjà de loin. La nuit, je l'aurais jamais vu. Je vais reprendre mes jumelles. Et je vais essayer de repartir sur un lièvre. Puis je pense qu'il y a des animaux qui sont réveillés en journée, quoi. Je crois qu'il y avait quelque chose ici. Mais ça m'a l'air vrai d'être un super jeu. C'est ça le souci avec le fusil. De base, il fait quasiment aucun dégât. Leur peau est assez épaisse. Oui, bah oui, forcément. Oui, après, oui, je comprends ce que tu veux dire. Il faut... Oui, c'est con à dire, mais il faut progresser dans le jeu pour avoir mieux, quoi. Oui, forcément. Un coyote. Et alors, comment on fait ceux qui ont débuté sur le jeu, bon, bah, même s'il y a très très longtemps. Au début, tu veux dire que c'est une histoire après de temps de jeu qui est énorme et c'est ça qui fait que qu'ils ont réussi à progresser, quoi. Que si c'est ça, c'est extrêmement long. Bon, moi après, ça me déplaît pas de faire des trucs longs, mais là, on est si faut 180, même 200 heures de jeu pour arriver de commencer à pouvoir un minimum tuer des bestioles. Pfff. Je vous avoue que je sais même pas si j'aurai la motivation. Pourtant, je t'ai dit, j'estime être quelqu'un de patient, mais... Bon, après, je pense qu'il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, ça, j'imagine. Il y a une bête, là. Je l'ai vue. C'est un loup. Non, c'est un coyote. You'll find coyotes all over the reserve, so they're not the most difficult to hunt. They're pack animals, so they respond well. Essayer de le suivre. But they can also get aggressive when alerted. Alors, je vais devoir y aller. Je te souhaite une bonne soirée, perso minimum. Une semaine de jeu pour s'habituer au jeu. Oui, bah après. Le problème, c'est que moi, j'y joue trop peu. Là, je fais un live, c'est exceptionnel dessus, parce que voilà, je voulais vous le montrer un petit peu en live. Il y a peut-être des gens qui le connaissent pas. Bon, après, je suis déçu parce qu'il y a moins de monde que ce que j'imaginais. Bon. Ben, je sais pas. Il faudrait que je m'y mette un peu plus. Oui, c'est sûr. Oh putain, qu'est-ce que c'est? Un ours. Ah non, c'est un élan. Bon, c'est encore trop gros comme bête, ça. Bon, bah, j'ai compris vaguement ce que tu m'as dit, hein. Il faut que je me lance sur des plus petits animaux. Mais en tout cas, merci à toi de tes petites remarques et de tes petites astuces. Tu m'auras un petit peu aiguillé. C'est sympa à toi, merci. Et puis surtout, bah merci d'être passé. Et ça, c'est peut-être facile à chasser, les... Enfin, c'est facile, ça s'envole, c'est peut-être pas évident. On va jouer encore un petit peu. J'aurais bien quand même tuer un animal, ça serait pas mal. Qu'on voie un petit peu au moins ce que ça fait. Ah, ce dindon, il me fait de l'œil. Hein. Ce dindon, on va se le faire. On va manger du dindon. Est-ce que c'est ça les traces du dindon? Non, c'est les traces de l'ours. Donc le dindon serait plus haut.
Oh, baby, nul notre Gugus, bon sang. Ah, glou, 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 glou. Ah, par contre, ça me fend la gueule hein, d'écouter leur bruit, là. Oh, glou, 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 glou. De la chance, ils nous entendent pas. On peut en profiter. Oh, ce que je me dis, ouais, avant de passer sur... Et puis comme a dit comment c'est Bran avant de passer peut-être sur d'autres maps avec d'autres animaux, faudrait peut-être au moins déjà avoir tué un peu de gibier sur celle-ci, sur les maps de base, quoi, pour au moins comprendre comment ça fonctionne et puis avoir de l'argent, etc. C'est ce que je me dis. Ouais, c'est des jeux à... Je sais pas comment expliquer, c'est des jeux sans fin en fait, ça c'est des jeux à jouer à temps perdu, quoi. Ou alors il faut être vraiment très très fan de ça et jouer qu'à ça, quoi, mais. Faire un let's play là-dessus, c'est compliqué à mon avis. Ou alors il faut montrer que certaines phases, quoi. Tout le temps filmer, sinon oui, ça peut être une solution. Tout le temps filmer en fait quand vous jouez, enregistrer ce que vous faites et diffuser que les moments intéressants. Ça pourrait être à envisager. Mais ça vous coûte, ouais, de tout le temps filmer, quoi. Bon, je vais réessayer d'utiliser, mais c'était quoi pour les lapins ? Ça ramène Nirnar. Ça, c'est pour les cerfs. Et ça, c'est pour les chevreuils. Il y a marqué ça pour les lapins dans l'autre. J'ai pas rêvé tout à l'heure. Si je vais dans inventaire, arme de poing, ce revolver simple action utilise des munitions de calibre 357. Puissant et peu encombrant, il est principalement utilisé comme arme de défense. Donc ça, ok, ça correspond à ce qu'il a dit avec les lions. Cependant, les chasseurs peuvent facilement y ajouter une lunette pour abattre le petit et moyen gibier. Ah, on peut rajouter une lunette. Donc sans lunette, en fait, peut-être qu'il est pas si bon que ça, quoi. D'accord. Donc la carabine... C'est pour les grands gibiers. Et ça, oui, forcément, puisque elle a le... Ok. Bon, quand même, ouais, une bonne... Bon, je pars suivre ces traces d'ours, de toute façon. Alors... On essaie de trouver quelque chose. Allez, on se concentre. Bon, après, ça nous fait observer la nature, c'est cool, mais... À un moment donné, c'est fait pour chasser aussi, quoi. Sinon... Bon, on va appeler ça Promenade Simulator, le jeu... Ah, et bête. Qu'est-ce que c'est? Encore cet ours, mais bon, on s'en fout, je me fiche, moi, le camp, toi. J'ai pas envie de te tuer tout de suite, je peux pas. J'ai pas ce qu'il faut. Je me donne que des ours. Alors, est-ce qu'on aurait des canards, sinon? Peut-être. Il y aura quelques canards au bord de l'eau. Ben, c'est peut-être pas les plus faciles à tirer. Oh! Ils font flipper, moi, les bestiaux, des fois. Un élan, c'est beaucoup trop gros.
Là, je suis sûr que c'est des animaux. Enfin, je sais pas. Pas sûr hein, que ce soit des canards. On est où sur la carte, là? Il n'y a rien à faire. À chaque fois, on va vers le haut, quoi. C'est pénible. Ouais. Je vais me respawner là. Puis essayer de trouver un lapin à côté de cette zone. Allez, je vous promets de tuer au moins un petit lièvre avant la fin. En tout cas, j'aimerais bien. Je ne capitulerai pas tant que j'aurai pas eu un petit lièvre ou quelque chose. C'est décidé. Que maintenant je mettais ça sous le dos de la nuit, mais maintenant c'est plus la nuit donc. J'ai plus d'excuses. Un chien ça. Coyote. Ils sont tout le temps cachés. Et qu'on trouve des traces à suivre. Oui bah ouf, encore là lui, bien sûr. Bah on va faire le coyote mais... Il est dans les arbres, comment qu'on va le voir? Il est là-dedans quoi. Un caillou. Monter là-haut. Peut-être le voir. Je vais prendre de la hauteur. Je vais essayer. Là. Si je vise ici. On va quand même très loin avec cette... C'est quoi, c'est des cailloux ça? Ouais. Et une trace ici. Alors on va la suivre. C'est quoi? Ah bah, c'est les coyotes. Très anciennes. Bon, au moins, on a une trace à suivre. Allez, on est parti. Ils en prennent de trop. Allez, c'est pas bon signe, ça veut dire qu'il s'est barré en courant. Toujours des déjections, très anciennes. Allez, on est parti. Toujours très anciennes. Après, quand ils disent très ancienne, on sait pas trop si ça remonte à hier, si ça remonte à 2 heures, si... C'est ça qu'on sait pas. Et là, vous voyez, ben, je les perds encore. Ben, il est parti par là, d'accord. Eh, ça tourne en rond encore. Putain! Ça me gonfle. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah bah non, pas les ours. Hein. Non, non, non. Hors de question. Les ours, ça fonctionne pas.
Alors, on est reparti sur ça. L'air de repos des élans. Tough animals, I tell ya. Oui, bah tu vas pas me dire ça à chaque bestiole. Ils vont de ce côté-là, de toute façon, donc ils sont reposés ici, ok. Entre minuit et 4 heures, c'est trop tard. C'est ça les trucs du coyote. Ouais. Qui est parti donc par là. Son caca. Là encore son caca. Et là, elles partent en haut. Ah, il y a des traces ici. Mais qui monte. Bon. Eh ben ça nous aide pas trop. Donc on est clairement dans une impasse. Bon, mais bon, changer d'animal. Hein. Je dis des fois les traces, elles sont pas du tout logiques. Elles vous emmènent à deux sens opposés et vous vous retrouvez là et vous êtes coincé. Alors c'est ou c'est moi qui sais pas m'en servir ou je sais pas, mais où voulez-vous les retrouver les bestiaux? Là, on voit clair maintenant, quand même. C'est de l'élan. Ouais. De l'élan, ah non. C'est Edward ce qu'il y a par là. Ça, c'est une autre bête. Toujours de l'élan. C'est ça que j'ai dû tuer une fois. Je crois que c'est un élan. Il me semble que j'ai réussi à en avoir un d'élan une fois, moi. Il y a de ça très longtemps. Ah! Les lances réparent ici. Mais alors, je sais plus avec quel fusil je l'ai eu. Je crois que c'est celle qui a la lunette, mais. Je m'en souviens plus. Oh, arrête, tu me fais peur! Oh! Cri d'avertissement, ça veut dire qu'il est pas là, qu'il est pas loin. Il est emmitouflé dans les broussailles. Alors, si on regarde ici, peut-être on va le voir. Il est là. Courir au derrière, moi, tu vois. On peut pas courir plus vite que ça. Ils partent vers de l'eau à chaque fois. Ils nous emmènent dans les joncs, là, et puis on voit plus rien après. Vraiment des saloperies. Hein. Il est là-bas. Je le vois partir au loin. Il est là. Hein. Ça y est, il s'est calmé. Là, il est en pleine plaine. Hein, on devrait l'avoir. Hein. Il est collé ici au pied d'un arbre. Là. Je vais m'approcher encore un peu. Il marche. On va en profiter. Là, au moins, il fait jour, on le voit. Je pense que je suis prêt, là, maintenant. Je devrais pouvoir arriver de faire quelque chose. Alors, on prend celui qui a la lunette, parce que sinon, je vais rien y voir. Et puis, on va essayer. Alors, il est où? Il est là. Bim! Je sais pas ce que j'ai fait, mais ma foi... Allez, on est parti. On va essayer de chercher du sang. Je sais pas s'il est tombé ou pas. Mais je pense que non. Ah oui, il court là-bas, je le vois faire, il court. On va aller voir s'il saigne. Je vais recharger.
a plein de balles, hein, profitons-en. S'en fout. Bon, alors est-ce qu'il saigne ou pas? Oh, je vais le perdre. Je sais qu'il est parti par là, je l'ai vu. Alors. Reprendre peut-être mes jumelles à partir de maintenant. Et on va essayer de retrouver des traces. Ici peut-être. Des wapiti, c'est pas ça. Là, qu'est-ce que c'est? Wapiti encore. Ah, bon sang. Wapiti, ça va pas. Peut-être dû repartir en arrière pour retrouver le sang. Je vois rien là-dedans, moi. C'est trop broussailleux, comment voulez-vous faire? Je pense qu'il a longé le bord de l'eau, peut-être. Ça va être encore mort, mon histoire. Oui. Wapiti, wapiti, y'a que de ça. Alors, on va essayer de viser avec les jumelles. Oh bah y'a du monde là. Regardez-moi ça. Voilà, ils m'ont vu, vous allez me faire croire qu'ils m'ont vu là. Super loin en fait. Après, on peut pas dire qu'on n'aura pas vu d'animaux. Dans un sens, on en aura vu. Mais maintenant, faut y arriver de les dégommer. Hein. Voilà, ils vont rentrer dans les forêts et puis c'est mort. Parce que normal, hein, ici, ils se il se protège. Voilà, ils sont là-dedans et puis bah va les déloger maintenant. De mon élan, bah je sais pas du tout que c'est qu'il est parti, moi. Bon, tant pis. C'est encore raté, hein. Ouais, c'est eux. Bon, ils sont déjà à 15 km, j'en suis sûr. Ils sont déjà de l'autre côté, eux. Ça court vite, ces bêtes-là, je pense. Hein. En tout cas, plus vite que moi. Surtout qu'ils étaient en troupeau. Après, est-ce qu'ils sont partis par là ou par là? C'est rien. Non, bah la chasse aura pas été bonne. Hein. Pas du tout. Je suis même très déçu de mes performances là. Vous dites, moi, de ce que je me rappelle les premières fois. Tiens, un petit lièvre. Parce que je me rappelle les premières fois, j'avais quand même réussi à tuer quelques trucs, mais là, bien admettre que ça fait longtemps que j'y ai pas joué, et puis que j'ai sûrement perdu beaucoup la main, mais enfin bon.
Parce que même l'espèce de serre de Virginie qu'on a au tout début du jeu, je crois que les premières fois, il me semble que j'avais réussi à la tuer du premier coup. Hein. Là, même pas. J'ai perdu sa trace même très rapidement. Hein. Donc bon. Des crottes de quoi ça? Le wapiti très ancien, ouais. On va essayer de trouver une zone qui est dégagée. Puis essayer de coller un coup de jumelle, voir. Là on y voit quelque chose. Il n'y a pas une seule bestiole à l'horizon. Ah, si, là-bas. Elles sont toujours à 12 000 km de nous, quoi. Une demi-heure pour aller là-bas. Non, sans rien. Alors après, à moins d'avoir des armes qui tirent vraiment super loin... Bah voilà, ils reviennent. Forcément, maintenant que j'y suis plus. Très facile. Bah oui, bah très facile. Si je tire, c'est mort. On est trop loin. Essayer de me mettre au pied de l'arbre, là. On y était tout à l'heure, là-bas. Hein. Tout le troupeau revient. Essayer de me mettre par là. Ils peuvent pas me voir, c'est pas possible. Là, on va essayer de prendre ça. Tirer dans le cul. Je pense qu'il est parti, tout simplement. Non, c'est impossible que je l'ai eu comme ça, impossible. Pas dans l'arrière-train. Je vais aller voir au niveau des traces de sang. Je l'ai tiré où, par là? Empreinte de pas ici. Ensuite. Du pas par là. Il n'y a même pas une trace de sang, je crois bien. Ça veut dire que je l'ai même pas touché. Empreinte de trop. Je sais pas s'ils sont pas là. Non. Seul truc à construire. Non, bah je crois qu'on l'a pas eu. Je crois bien. Ouais, bah c'est ça. Alors sinon, faut que j'attende qu'ils reviennent. Puisqu'ils ont l'air de revenir régulièrement à la flotte, là. Il va falloir être patient. De toute façon, c'est que des traces de ça, clairement. En se planquant dans un truc, là. Mais bon, d'ici qu'ils reviennent... Ça va pas être tout de suite, hein. Parce que, de toute façon, on peut pas les tirer dans les arbres. Hein.
Heureusement qu'on a les jumelles, n'empêche. Ah, mais après, je peux peut-être me servir de ça, ouais. Mais... ça les attirerait. J'ai peut-être pas le bon, après. Les renards, les coyotes, les lynx. Cerf, wapiti, c'est tout un peu la même... même chose. Sinon, dans les faits, ces trucs-là, là, les petits gadgets qu'ils nous donnent, moi, finalement, j'ai jamais réussi vraiment à les utiliser, hein, à l'arrivée. Hein. Je dis pas que ça sert à rien, hein, mais moi, j'ai jamais vu un effet... Ah oui, puis il y a un truc que j'ai pas pensé, je suis en train de voir en bas, là. Mais il y a le sens du vent aussi. Il y a le sens du vent qu'il faut qu'on essaie de prendre en compte. En fait, il y a trop de choses à prendre en compte dans ce jeu. Et du coup, quand je marche comme ça, et ben le bruit il va là-bas et les animaux m'entendent. Eh oui! Bah là, il fait bien jour, dis donc. Et quelle heure? 7h46. Ah bah ça va. Vous voyez, ça fait strictement rien, notre espèce de boîte à meules. Hein. Alors peut-être qu'il faut s'en servir quand ça dit cri d'accouplement ou des trucs comme ça. Peut-être c'est ça l'idée. Parce que là, le vent va par là-bas, donc on va faire comme ça. Le son devrait aller là-bas. Mais après, faut-il encore être dans la bonne région? Enfin, dans le bon endroit où il y a certains animaux, et tant qu'on n'a pas découvert après où certaines espèces sont, et ben c'est compliqué. Trop long ce jeu, trop long. Là, ce jeu, je l'avoue, il est plus fort que moi là. Ah non, là je reconnais. Mais il est bien, hein, c'est sûr qu'il est bien. Mais c'est vraiment pour un public vraiment particulier là pour le coup. Ouais. Et vous voyez, si je reste ici, par exemple, vous voyez, attendre, là, j'ai fait un peu exprès là de pas trop bouger. Alors bon, je me suis pas trop caché après, certes. Mais oui, il revient pas d'animaux. Hein. Donc finalement, le fait d'être statique et d'attendre quelque part, ça change rien. Hein. Parce qu'après ça nous débloque ce genre de choses. Zone de passage, zone de passage. Ah, et puis il y a l'histoire des heures aussi. Pff, oh là là. Ah, ça a crié. Ici.
C'est un cerf à queue noire, cri d'accouplement. Eh ben, il faut que je lui fasse ça. On devrait la tirer. Viens ici, petit, viens. Viens, viens. Tu auras du boudin. J'en fous complètement, il sait que c'est pas pareil. Ou alors il lui faut l'autre, il faut celui-là. Un chevreuil. Ah, viens, je suis là. Je peux rigoler, il m'entend pas, lui. Moi ça me fait rigoler. Tu veux pas de ma boîte à meux? Ils s'en foutent, hein. Ça, ça ne fonctionne pas d'un bout, je regrette. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? C'est des zones de passage, ça. Entre 4h et 8h, on est en plein dedans, je suis désolé. Police air. Putain, il dit que c'est facile à chasser. Normalement, il devrait être là. Là, il devrait répondre à mon appel. Putain, il y a eu un bruit bizarre, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a eu comme un bruit de rideau métallique? Je veux que j'ai entendu un gros bruit. Je confonds ce jeu avec Medieval Dynasty en fait. C'est ça le problème. J'ai l'impression de me croire dans Medieval Dynasty et que les animaux sont méchants. Alors que dans celui-là, non, c'est pas le cas. Enfin, c'est pas pareil. Tiens, ça recommence. Là! C'est un cri d'avertissement. Il est là, hein? Donc c'est lui qui fait ce bruit. Pas s'il est pas par là. C'est qui est? Petit, petit, petit. J'essaye des choses. Croyez-moi, je suis à fond dedans. Mais rien ne fonctionne. Il y a une corne ici. Trouve un bois. J'ai une sacrée collection à la maison. Du coup, je vends ce que je trouve, ouais.
People often buy them for handicrafts, you know. Knife handles and such. $500 ! Oh, ça m'intéresse. I once sold a really nice moose antler for 500 bucks. On verra ça plus tard. Bon, monsieur Serre, t'es où, là? Parce que c'est pas le tout, hein, mais... If you want to stay busy on the road, I'd keep a lookout for sheds. You know, antlers that are shed by the reserve animals. Oui, bah si je m'ennuie, t'es gentil. They're rare to find. Je m'ennuie pas, rassure-toi. Bah un peu quand même, mais je voudrais trouver des bestioles, moi. Bon, bah moi j'en sais rien. On n'a pas trouvé une seule fichue bestiole dans ce jeu. Enfin, on en a trouvé. Je dis pas qu'on en a pas trouvé. C'est moi qui a été sûrement très mauvais sur les tirs. Ça, c'est certain. Mais elle reste quand même pas facile à tuer, hein. Je suis désolé. Et après, moi je crois pas qu'il y ait de difficulté de jeu, hein. Qu'on puisse mettre en facile, en difficile, hein, je crois pas. Hein. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas choisi de difficulté, hein. Donc moi je sais pas comment faire là pour remédier à ça, à part comme disait Bran, bah s'entraîner encore et toujours, hein, sûrement, et puis peut-être qu'à la longue ça va finir par payer, mais là pour... C'est ça le bruit que j'entends. C'est pas un bruit de cerf, ça. Ben voilà! En v'là de la bête! Ils sont encore en déplacement. Comment voulez-vous tuer ça? Ah bah lui, je l'ai eu! Là, je suis désolé, je l'ai vu bouger. Bon Dieu! On va finir par en avoir un! Il a sauté à 1 mètre plus loin. Il est forcément touché, c'est obligé. Là, il y a forcément du sang quelque part, c'est obligé. Sinon, le jeu n'est pas logique, là. Voilà, là, il y a du sang. C'est un organe non vital. Ouais, le problème, c'est que ça va pas nous arranger, parce que... Finalement, il va saigner, mais il va saigner pour de la merde, quoi. Bon, maintenant, faut trouver par où ils sont partis. Ils sont partis par là. Allez, on va partir à la recherche, hein, de toute façon. Saignement faible. À chaque fois, c'est la même rengaine. Saignement faible. Et puis, ça en avance pas plus. Donc ça, c'était encore peine perdue. Je sais pas si vous me suivez, mais c'est sûr. C'est ça qui est rageant, en fait. Le sang est là, toujours, ça c'est bon. Je suis bien sur la bonne piste. Tu le retrouveras jamais. C'est qui sont? Attends, retour arrière. Il était là, le dernier coup de sang, c'est sûr. Là, dans le bois, là. Ici. Ça part par là. Là, on est bon. Le sang est là. Le sang est toujours là. C'est des trucs fraîches. Bah oui, à l'instant, forcément. Là, ok. Ah oh, si, je l'ai eu! Oh, les amis! Il est mort! Enfin, notre première bête! Oh! C'est pas trop tôt! Il est là! Fouh. Oh, je suis content! Bon, on le valide! Bon, ça fait toujours un peu de peine, hein, de tuer des pauvres animaux qui ont des fois rien demandé, mais bon.
Oh, c'était un jeu, après. Allez, validons le trophée. Alors, détail du tir. Je crois que normalement, on peut voir un peu des choses. 100%. Alors, normalement, il me semblait que ça mettait l'endroit où on l'avait touché. C'était un animal de catégorie 1. C'était un mâle. Il faisait 67 kilos. Enfin, presque 68. Fourrure. Très facile. Oui, bah, c'est très bien. Organe de trophée. Crâne. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Évaluation de trophée. Règles de prélèvement. Passer toutes les vérifications pour obtenir la meilleure médaille. D'accord, donc il y a quelque chose que j'ai mal fait. Aucun organe vital touché. Ah, j'aurais peut-être dû toucher un organe vital, oui d'accord. Donc j'ai un truc en bronze. Il vaut 527, ça m'a donné 527 je pense. Je l'ai tiré donc à 89 mètres d'après ce que je pense. Vous ne pouvez pas empailler cet animal car vous ne possédez pas assez d'argent. Oui, bah c'est le nœud du problème dans tout jeu, de toute façon. Vous ne disposez pas non plus d'emplacement libre pour mettre cet animal de côté. Ouvrez l'écran de gestion des trophées et retirez un animal mis de côté afin de libérer une place pour celui-ci. C'est-à-dire, alors, accepter, inspecter, I. Ah oui, d'accord. Vue au rayon X. Ah si, je l'ai touché là. Du coup. Ici. D'accord. Donc, retour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de truc à enlever là? Attends, j'ai pas tout compris là. Gestion des trophées H. Ah, ben voilà! Ça doit être mon... There's no shortage of ways to mes anciennes parties, ça. No shortage of ways to spend it either. J'ai tué quoi, du coup? Il y a les dates. J'irai pas jouer en 2022, du coup. Ça m'étonne. J'aurais joué en avril 2021. Enfin, je pense. Ou c'est juin, je sais pas. Non, ça c'est le mois et ça c'est le jour. Parce que là il y a le 29. Il en manque. Ah mais justement les derniers, peut-être que ça me mettait déjà ce message et que je les mettais pas parce que j'avais plus de place. Ah. Donc ça, ça se trouve c'est mes tout premiers ça. Oh j'en sais rien, je sais pas. Bon bref, on s'en fout. Il y a du cerf, du lièvre, du cerf, du lièvre. Tiens, il y a un élan là. Mais il me semble que j'avais tué un élan un jour. Hein. Je peux remplacer lui par quelque chose, d'accord. Qu'est-ce que ça signifie, ces couleurs? Score de trophée, oui d'accord, c'est ce qu'il faut mettre avec les meilleurs trophées, je pense, en fait, ok. Donc, celui que j'ai là... Eh, ben vous arrêtez de crier comme ça, là. Là, il y a des trucs à zéro. Serre de Virginie... Je vais le remplacer, culogne. Voilà. Donc on peut pas l'empailler parce que j'ai pas assez. Et puis c'est tout. Bon. Ma foi, je ferme. Score véritable. J'essaie de comprendre comment ça marche. Taille du merin principal. Score total, ouais. C'est compliqué à comprendre. Bon! Ouais, bah les gens, c'est déjà bien. On a quand même au moins réussi l'objectif de tuer un animal dans le live. Alors, ma foi, un cerf. C'est déjà ça. Donc, du coup, maintenant, si on regarde, on a de l'argent. Oui, 1527. Et donc, je suis niveau 2. J'ai un point de compétence. Alors on peut regarder ça. Histoire de regarder un petit peu comment que ça se passe. Niveau 0.
Ça coûte un point de compétence. Niveau 1, le cône de pistage devient plus étroit. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait qu'on pouvait changer des choses. Eh, c'est ça, après, il faut des compétences et des talents pour y arriver mieux. Donc on peut avoir ça, si j'ai bien compris. On va avoir le niveau 1. Cône de pistage devient plus étroit et précis, aussi bien dans le monde que sur la carte. Eh ben écoutez, on va faire ça. Ça sera au moins plus précis. Et après, il faudrait le niveau 2. La distance à laquelle les traces sont visibles et mises en surbrillance est augmentée. Encore plus étroit, d'accord. Et ça va donc débloquer ça après. Oui, c'est ça. Donc en progressant, après, on va avoir des compétences. Ok, j'ai compris. Et donc dans les talents... J'ai 0 points de talent disponibles. Ah, puis chaque outil a ses points, c'est ça ? Carabine ? Oui, c'est ça. Des points en carabine, des points en arme de poing, en fusil. Oh la vache, c'est hyper complet en fait. Bon, bah c'est vu. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Bon, je vais retourner au niveau... D'accord, donc on est là. Je vais retourner ici au niveau de cette aire de repos. Bon, alors, je suis content. Alors, je sais pas pour ceux qui visionnent si vous êtes satisfait. J'ai enfin réussi à tuer une bestiole. C'est pas trop tôt, j'ai envie de dire. Ah, je vous avais prévenu hein, que c'était vraiment de la pure découverte pour moi. Je débute là sur ce jeu. J'ai vraiment peu d'heures dessus. Ne vous attendez pas à des gameplays de ouf avec ça. Enfin, avec moi sur ce jeu. C'est pas possible. Qu'est-ce que je voulais regarder maintenant que j'étais là? Ça, c'est fait. Ça servait à quoi, ça, du coup? On peut cliquer dessus? Non, comment que ça se passe? Non, on peut pas. Bon. La maison, on a vu que c'était pour dormir. Ça, c'est quoi, ça? Que je regarde un petit peu. C'est juste de la pub. Comment que ça marche? Forest Fear. Ça, c'est la carte. Maps. Alors peut-être qu'il y a des missions qui se mettent ici, je sais pas, c'est juste de la déco. Là, de toute façon, pour le moment, on n'a pas trop grand-chose. Je vais reprendre mon quad, puis on va aller se promener un petit peu avec le quad, j'ai envie de faire ça. Ça va me changer un peu les idées. Donc faut qu'on aille ici. Garage. Tiens, je vais prendre le rouge cette fois. Voilà. Hop, allez, go. On va partir un petit peu en quête de map. Rouler tranquillement. On va se mettre à un point. Ça va éviter de partir n'importe où. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la rigueur? C'est se débloquer peut-être des points. Tiens, on va partir par là. Donc, toc, 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 toc. Je vais mettre un point ici. Comme ça, on sait où aller. Allez, c'est parti. Faut que je change cette touche, par contre, pour la prochaine fois, parce que... C'est pénible. Alors, où c'est qui est mon point? Là-bas. Le quad est super maniable, par contre. Hein. C'est vrai que c'est bien. On peut rouler quand même relativement vite. Voilà, j'ai envie de m'amuser un petit peu. Faire l'idiot. Eh, ça trace, hein. Je sais pas si on peut se retourner avec. J'en sais rien. On va essayer. Moi, j'ai pas l'impression. Un peu quand même. Je pense qu'on peut se vautrer avec. Ah oui, si quand même. Bon, on s'en fout. Allez, on va aller au point. Ah, c'est fun le quad. Passe même le chemin de fer et tout. Allez, tiokou. Est-ce qu'on peut aller dans la flotte avec? Oh bon, ça va, on peut quand même aller assez loin. Je vais me mettre en vue extérieure, tiens, juste pour regarder. Ça doit le noyer, à mon avis. Ah non, il s'enfonce, enfin, il se noie pas. Bon, bah d'accord, ok. On va quand même éviter. Allez, tiens, on va laisser un petit peu en vue extérieure, voir un peu la physique du quad. Ça marque le sol où on passe, dis donc, c'est fun.
Pas mal. Quoi, des très bien gérés. On a l'impression d'aller super vite, mais en fait, on va pas si vite que ça. Ok, on est arrivé. C'est quoi ce truc-là? Regardez. Une pierre. Inspecter. Alors, codex. Eau polluée. En 1998, le lac de Layton a été jugé pollué en raison d'une forte présence de phosphore. Ah, ça raconte des petites histoires, peut-être? Sur la région? Bah, c'est pas mal, j'aime bien ça, moi, ce genre de choses. Le point est à 10 mètres. Ça donne de l'expérience, on aurait peut-être dû commencer par ça, finalement. C'est fini. Connaître un petit peu les lieux. Donc en fait, le point, c'était ça, si j'ai bien compris sur la map. Ah oui, d'accord. C'est un point d'intérêt, ils appellent ça, d'accord. On va aller débloquer ce truc-là. Allez, c'est là-haut. Ah, zut. On nous a arrêté net, la souche d'armes. Wouh, 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 wouh. Ah, c'est compliqué là. Elle crée quoi des très pratiques pour se déplacer rapidement quoi. Si vous voulez pas faire de téléportation, c'est vrai que ça peut être plutôt sympa. Après, je pense faire le jeu sans téléportation, ça peut être assez compliqué quand même. Rive du lac de Layton. Je pense qu'on a dû changer de région. Ouais, c'est ça. À chaque fois, c'est des tours. Elles me font penser ces tours à... Je sais pas si s'il y en a qui ont joué à ce jeu. Comment ça s'appelait, là? Un jeu de... C'était un peu du n'importe quoi, même. Mais le jeu était bien... Ah, bah, je ne rappelle plus le nom. Far Cry, voilà. Far Cry, c'était... Il y avait des tours à débloquer, là, un peu comme des points d'observation là d'Assassin's Creed. Sauf que c'était des tours. Je me souviens de ça. Je crois que c'est dans le Far Cry le 2 ou le 3, je sais plus. Peut-être le 3. Je crois. Je sais pas si c'est toujours le cas. Dans les derniers, je les ai pas touchés après les autres. Voilà, on va faire ça. Quelle vue magnifique on sent là. Spoil. Oui, c'est vrai. Après, j'adore faire ça, moi, de regarder les paysages dans les jeux, les trucs, les ici, les là. J'adore ça, moi. Alors, ouais, là, c'est une... Ah non, c'est encore une autre... C'est pas, c'est la même région, mais... Rive du lac de Layton. Balmont. Lac de Balmont, ouais, vache. Ah, peut-être ça marche comme ça. C'est rien. On va aller voir ce qu'il y a là. Ça, c'est le point où on est, oui, d'accord. Il y a toujours les mêmes pubs à chaque fois. Ah non, c'est pas pareil. Mission terminée, tâter le terrain. Mm-hmm. Donc chaque cabane n'a pas les mêmes choses. C'est bien. Faire du bois, du feu. Ouais, on va faire la porte hein, quand même. Ah, zut. J'ai fait une boulette là. Hop, alors. Je vais pas sauter du haut parce que j'ai peur qu'on se tue. Mais bon, ça fait pas très très réaliste quand même. Bon, on va aller à un nouveau point, je vais voir ce que c'est. Je pense que c'est encore un truc à construire sans doute. J'ai failli me bouffer le sapin. Oh putain de merde. Oh mon dieu!
Où je suis? Oh la vache. Oh le pauvre quad. Allez. Qu'est-ce qu'on a par là? Ah bah c'est encore un point d'intérêt. Bon, on va le prendre. Le colibri. Chris Hirsch, alias le colibri, était un randonneur américain qui est parti pour un long voyage de 4 ans à travers le pays. Après ses études en 1994, des chasseurs ont retrouvé son cadavre dans les environs sous un pont de la voie ferrée. Cette histoire est devenue une sorte de légende et ce quoi, ce cairn a été érigé à sa mémoire. Oh. D'accord. Bon, bah ma foi. Bon, de toute façon les amis, on est bientôt quand même à... Ben on est même à 3 heures de live. Je suis... Alors, mi-satisfait, mi-content pour plusieurs choses. Bon, la première, ce sont sur mes piètres performances de chasse, hein, vous l'aurez remarqué pour ceux qui auront été présents pendant ce live. Je sais qu'il y en a eu. Pas très actif, c'est sur ça que je suis un peu moins content. Alors, pas trop Bran, mais bon, je sais pas si t'es toujours là ou pas. Je te remercie quand même de t'être manifesté quand même avant la fin, si t'es toujours là. Non, où je suis moins content, c'est quand il y a des gens qui sont présents dès le début, bah comme Bran, si t'avais... Parce qu'apparemment, tu me dis que t'es là depuis le début, je trouve ça un petit peu dommage que vous manifestiez pas du début sans que vous parliez forcément beaucoup. Mais juste quand on demande des fois si le live fonctionne et que vous êtes présent, dites au moins si c'est ok, quoi. Parce que du coup, on est obligé de se débrouiller tout seul et c'est pas cool, je trouve. Essayez de penser à nous aussi quand même qui font le live. Faut savoir que c'est quand même... C'est quand même un petit peu de préparation au préalable, un live. C'est pas non plus... C'est pas un gros boulot, mais bon, quand même. Donc voilà, essayez d'y penser dorénavant. Je suis un petit peu déçu sur le nombre de visionnages qui ont été là, sachant que j'ai quand même prévu, là, depuis... Depuis 17h, et puis ce que je voulais dire, surtout, voilà, par rapport au... Je vais faire 2-3 petits allers-retours avec le quad pendant le temps que je dis ça. Ce que je voulais dire, en fait, par rapport au début du live, alors ce sera surtout aussi pour ceux qui vont regarder la rediffusion, parce que je sais que ça peut éventuellement servir. Non, je suis un petit peu déçu de la communauté en général que j'ai sur ma chaîne. Et là, c'est un peu plus grave, je trouve. Parce que j'ai remarqué que hier... Donc hier, j'ai fait un live sur Spintyr. Aujourd'hui, c'était donc sur The Hunter. Donc là, jusque-là, pas de problème. J'ai pu remarquer que les gens, en fait, il y a eu un vote que j'ai enlevé d'ailleurs aujourd'hui parce que je me suis dit, en fait, c'est soit les gens sont... Bah, c'est peut-être un peu méchant ce que je vais dire, mais soit les gens sont idiots, soit les gens, vous êtes... Enfin, vous lisez pas ce qui est marqué. Et moi, c'est ça qui me fait un petit peu de peine et qui me gêne un petit peu. C'est que c'est quand même noté hein, dans les trucs. Et les gens, pour la plupart, ils ont voté aujourd'hui. C'est hier qu'il fallait voter, hein, c'est pas aujourd'hui. Donc après, je veux bien admettre que c'est de ma faute sur le fait que j'ai laissé le poste jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a un moment donné, il y a un minimum de jugeote quand même. J'ai eu des votes aujourd'hui sur le live d'hier. Ça a aucun sens, je trouve. Alors, je veux bien admettre qu'il y a des gens qui ont peut-être vu le post aujourd'hui, mais tâchez de regarder quand il a été publié le post, parce que ça sert plus à rien de voter à un moment donné. C'est ça que je veux dire, en fait. Donc voilà. C'est un petit peu mon coup de gueule du soir. Je voulais en parler pendant le live, mais vu qu'il y a eu quasiment personne, c'était compliqué. Sachez qu'à l'avenir, si ça recommence ce genre de choses, de toute façon, les lives, pour le moment, sont... Alors... Je vais être franc avec vous, c'est une bonne expérience pour moi à l'heure actuelle. Parce que voilà, je débute là-dessus et du coup je découvre un petit peu ce que c'est. J'aime bien, dans un sens. Maintenant, ouais, je suis déçu parce qu'il y a peu de monde. Pour le nombre de personnes que j'ai sur la chaîne, hein, c'est ça que je veux dire. Il y a quand même, à l'heure actuelle, bah, plus de 260 abonnés sur la chaîne. Donc je me doute bien qu'il n'y aura pas 260 visionnages. Hein. Je suis pas dupe et je m'en doute. Mais...
Enfin, je sais pas, sur 260 personnes, en avoir que des fois un ou deux de présents. Je sais pas, même que vous passiez par passage, je vous demande pas d'être forcément présent sur tout le live. C'est pas ce que je veux. Oups, forcément. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a très très peu d'interactivité. Ou alors les gens, comme je disais tout de suite, vont réagir une journée après. Et je trouve ça complètement con. Maintenant, ne venez pas après vous plaindre derrière si... si des fois je dis des choses et que vous êtes pas au courant. Parce que forcément, si vous ne prenez pas le temps de dire les choses... Parce que faut savoir que j'y passe du temps quand même à remettre notamment les playlists à jour, à faire des posts de temps en temps quand je juge qu'il y en a besoin. Vous mettre un planning dans l'onglet à propos. Et je me rends compte qu'à l'arrivée, finalement, tout ça que je fais, les gens, j'ai l'impression qu'ils ne le regardent pas. Donc ça fait un peu mal au cœur, mais bon, c'est comme ça, j'ai envie de dire. Si vous, ça vous convient et que vous avez envie de regarder du contenu sans être au courant, sans... Bah ma foi, j'ai envie de dire, faites comme vous voulez, mais moi, personnellement, ça me déplaît très fortement. Je le dis clair et net. Donc, il est possible, je dis bien, il est possible, et là, de toute façon, c'est le dernier live que je fais pour le moment, parce que je suis un peu déçu de ça. Et je pense que je reprendrai, à mon avis, très certainement les lives que... peut-être que quand j'aurai plus de monde sur la chaîne, parce que je me rends compte que 200... environ 250 personnes, c'est peut-être encore trop juste. Fut un temps, on m'avait posé la question dans mes débuts, notamment je crois sur Eurotruck, où des gens m'avaient posé la question s'il était possible de faire des lives sur la chaîne quand j'avais, je sais plus, peut-être même pas une cinquantaine d'abonnés. J'avais refusé un peu à l'époque parce que je me disais justement qu'il y avait trop peu d'abonnés et que du coup ça ferait peu de vues sur les lives. Aujourd'hui, voilà, j'y étais revenu un petit peu dessus parce que je me dis, voilà, 250, quand j'ai commencé à me décider d'en faire, je me suis dit, voilà, 250, ça commence à faire un peu plus. Il y aura sans doute, voilà, peut-être des fois une dizaine de personnes qui pourront être présentes, ça commence à motiver. Et au final, à l'arrivée, je me rends compte que même avec 260 personnes, il n'y a que très très peu de personnes sur les lives. Et chose que j'ai pu remarquer aussi, et ça, c'est plus pour ceux qui ont été, entre guillemets, les plus courageux. Bah tiens, je suis revenu à la maison sans le vouloir, non. C'est bien ça. C'est pour les plus courageux d'entre vous qui ont été là. Alors, je ne vais pas citer les noms parce que ce n'est pas fait pour. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous, des fois, vous me dites un jeu d'un live. Et je me suis rendu compte que des fois, au final, les gens quittent le live. Alors, c'est pareil, hein, je ne peux pas vous demander d'être présent tout le temps. Parce que voilà, vous êtes libre, après tout, de faire comme vous voulez. Mais où que c'est que ça fait de la peine, c'est que... Mais des fois, une personne va demander un jeu sur un live, et au final, tu te rends compte que des fois, pendant 30 minutes, voire pendant 40 minutes, bah, la personne qui a demandé le live est tout simplement partie. Parce qu'elle t'écrit en commentaire, « Je suis de retour, excuse-moi, j'étais parti », ou un truc comme ça. Donc, bah, tu te dis, toi, en tant que celui qui fait le live, tu te dis, bah, « En fait, je fais un live pour rien, quoi, parce que la personne qui le demande n'est pas là ». Donc bon, ma foi c'est comme ça. Ce sera mon coup de gueule de la fin, donc j'ai attendu la fin pour le faire. Mais sachez que ouais, je suis très très mécontent, franchement. Je suis très très mécontent de ce qui se passe. Et bon, j'espère que dans l'avenir ce sera meilleur, donc ne venez pas pionner d'autres lives hein, dorénavant. C'est comme ce que j'ai pu dire hier à... Je sais plus qui était présent sur le live. Enfin, je sais plus ton nom, enfin bref, peu importe. Quand on me demande des vidéos d'un tel jeu, alors que je le répète sans cesse et sans cesse, on n'a pas de chance, faut qu'ils discutent en même temps, que je le dis sans cesse et sans cesse dans les vidéos que tel jeu ne va arrivera pas sur la chaîne tout de suite, et qu'on te rabâche la question sans cesse en te demandant quand ça va arriver, bah il y a un moment, ça fout un peu les nerfs, quoi. Et faut essayer de me comprendre un moment. Donc voilà. Allez, bah sur ce, c'était quand même le live donc de The Hunter. Je suis pas là pour le casser quand même jusqu'à la fin et puis vous jeter des bâtons dans les roues non plus. Mais voilà, sachez un petit peu mon mécontentement quand même. Et puis, je vous souhaite quand même une bonne soirée pour ceux qui auront été présents. Je vous dis quand même à la prochaine de toute façon pour la sortie des vidéos, puisque ça ne changera pas. Mais voilà, en ce qui concerne les lives, sachez que il y en a pas de prévu d'autres pour le moment. Je vous le dis tout de suite. Et ce sera pas la peine d'en demander d'autres de toute façon. Ce sera clair et net, non catégorique, pour l'instant en tout cas. Ça reviendra peut-être dans l'année, je sais pas. Je verrai au niveau de la progression qu'il y a sur YouTube, mais j'estime que c'est trop peu pour le moment. Faire des lives avec 2-3 viewers grand maximum, c'est pas intéressant. Y a pas d'interactivité et j'ai l'impression de tourner une vidéo en fait, moi, à l'arrivée, donc ça ne me change rien. Voilà, allez, c'était Vivi quand même.
Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde !